Une était courte. J'espère juste que nos collègues ont acheté juste un sandwich et n'ont pas prévu le menu gastronomique. Pardon ? Je vous demande de vous installer et de vous asseoir aussi rapidement que possible pour pas qu'on prenne trop de retard. Je crains que le quart d'heure de retard de ce matin ne soit pas récupéré et qu'on commence vers 13h45 au lieu de 13h30. Allô, allô, les ARS sont-elles là? On va reprendre donc cet après-midi. Une, deux, c'est ça, deux ARS, parfait. Vous êtes l'autre ARS. Oui, c'est ça. Voilà, voilà, bah vous êtes là. Donc cet après-midi qui va être sous le... On continue dans les expériences locales et régionales avec tout d'abord deux exemples de politique régionale avec des représentantes des ARS Auvergne-Rhône-Alpes et Grand Est et puis ensuite une table ronde autour du modèle d'un modèle d'organisation des EMH, stratégie nationale, avec plein de gens de CHU, d'ARS, et tout ça, de CEPIAS, de directeurs. Et donc, ben, peut-être, comment vous faites chacune votre tour, c'est ça?
Alors, on va commencer par l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, Marguerite Pouzet, qui est très attendue par le CEPIAS Auvergne-Rhône-Alpes. Allez-y, ils vont arriver. Donc, sinon, je vais aller les fouetter, effectivement. Non, mais finalement, ça m'a bien plu, cette idée. Allô. Allez, le café, c'est fini. Hop, sinon... Allez, il y en a qui vont rater leur train ou je sais pas quoi, ou partir, et le dernier orateur n'aura plus personne. Allez, hop, on revient. Qui sont repartis, disons. Mais oui. Allez, Marguerite, à vous. Allez-y. Bon. Bonjour. Je commence parce qu'on ne va pas pouvoir tenir les délais sinon. Vous avez un support, donc si vous avez des questions, vous pourrez intervenir après. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter en fait l'expérience des dispositifs déployés dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes. À travers plusieurs parties, donc les enjeux et le contexte de ce déploiement, une territorialisation qui s'est effectuée en deux temps, d'une part dans l'ex-région Rhône-Alpes, puis ensuite une extension à l'ex-région Auvergne. Je vous donnerai quelques éléments d'organisation, de pilotage et d'indicateurs, notamment aussi l'activité et les perspectives 2022-2023. Alors, en enjeu, je vais peut-être pas tout reprendre parce que beaucoup de choses ont été dites ce matin sur le risque infectieux en établissement face à une population fragile vivant en milieu clos et nécessitant parfois de soins prodigués qui sont invasifs. Le développement de la veille sanitaire qui est important pour nous, agence, pour que les établissements puissent gérer au mieux les phénomènes épidémiques et un contexte réglementaire, le PROPIAS, qui a été expliqué ce matin. Pour notre région qui a fusionné en 2016, le schéma régional de santé 2018-2023 a fixé plusieurs objectifs en termes de MH. La première, c'est étendre territorialement le dispositif et puis assurer un suivi du dispositif via un programme d'action annuel sur des thèmes qu'on a vus ce matin. Les bactéries multirésistantes, les bactéries résistantes émergentes, les déchets de soins à risque infectieux, les accidents d'exposition au sang, et puis la vaccination antigrippale. D'autres points qui ne sont pas liés aux EMH, mais qui sont vraiment liés à la prévention du risque infectieux qu'on a développé, ce sont des formations à la prévention du risque infectieux en femmes et masse depuis 2017. Au sein des 12 départements, nous finançons des formations d'une demi-journée. C'est le CEPIAS qui a organisé le support pédagogique et nous avons 28 infirmiers hygiénistes formateurs. Donc nous faisons une réunion annuelle chaque année avec le CEPIAS en termes de bilan. Je ne l'ai pas mis sur la diapo, mais la région, l'ARS Rhône-Alpes avait développé avant 2016 une expérimentation sur un établissement d'éducateurs SPÉ à Échirolles sur la formation du risque infectieux. Alors ce matin, on évoquait la difficulté de certains professionnels à appréhender en fait le risque infectieux. Ce sujet était déjà pour nous une préoccupation avant 2016. Dernier petit point, en 2018 et 2019, je suis intervenue avec une personne du CEPIAS pour évoquer la prévention du risque infectieux et la démarche du signalement des événements indésirables auprès d'élèves directeurs d'établissements médico-sociaux. Un point que les établissements connaissent bien maintenant et s'accaparent, c'est le référentiel de l'HAS en termes d'évaluation, avec un objectif de déploiement de la stratégie de prévention, mais qui dit stratégie, dit mise en œuvre, plan d'action, formation, sensibilisation des professionnels. Nous l'avons évoqué ce matin, la stratégie nationale 2022-2025 sur la prévention des risques infectieux et l'antibiorésistance. Alors, notre région, c'est 8 millions d'habitants, 12 départements. La partie bleutée, ce sont les 8 départements
rhône-alpin avec un maillage de filières gérontologiques, 30. Et sur la partie violette, ce sont les 4 départements auvergnats avec 15 bassins de santé intermédiaire. Donc les deux dispositifs filières et bassins BSI ont été maintenus. Et en fait, les EMH s'appuient sur ce périmètre géographique. On est une région avec beaucoup d'établissements, 944 EHPAD, 149 femmes et 66 MAS. Alors la territorialisation sur Rhône-Alpes, elle a commencé par une réflexion en 2005 sur l'Ardèche et la Drôme. Et à partir de 2007, un dispositif EMH à Valence a été créé en collaboration avec les équipes opérationnelles d'hygiène. Une première évaluation a eu lieu en 2011-2012 par le médecin de l'ARS qui avait fait un mémoire bien étoffé, bien étayé sur ce dispositif. Ensuite, il y a eu un approfondissement pour savoir comment, quel modèle faire pour l'élargir sur les 7 autres départements. Donc, il y a eu un appel à projet qui a été lancé en 2013 et qui a permis un déploiement à partir de fin 2013 jusqu'à avril 2016 avec la création de la dernière EMH, l'EMH du Forez, qui est à Montbrison. Parallèlement, une expérimentation sur 6 établissements handicap a été proposée à l'EMH de Villefranche. Donc, en fait, ce sont des EMH EHPAD qui prennent des établissements handicap. Les principes, donc, c'est les 30 filières gérontologiques, qui sont des outils de coordination et des acteurs de proximité en matière de prise en charge de la personne âgée. Les EMH couvrent une filière, voire plusieurs. L'implantation de l'EMH, c'est dans un centre hospitalier de référence et restant dans une proximité. Donc pour les EMH de l'ex-région Rhône-Alpes, c'est plus de 600 EHPAD. Et la cible prioritaire, ce sont les établissements qui ne sont pas couverts par une équipe opérationnelle d'hygiène. Donc là, voici nos 20 équipes mobiles d'hygiène rhône-alpine. Alors, les grandes lignes du déploiement, il y a eu une ressource régionale très importante du CEPIAS pour la coordination de ces équipes mobiles. Fin 2016, donc à la fin de l'extension sur les 8 départements rhône-alpins, 88% des EHPAD étaient en convention avec une EMH, soit avec une EOH. Quelques établissements du nord-est de la Haute-Loire étaient également couverts, vu les axes de circulation, les bassins de vie, c'était beaucoup plus simple qu'ils soient rattachés à une EMH du 42. Alors l'effort financier consenti par l'agence, c'est 3,5 millions d'euros sur l'enveloppe FIR, le Fonds d'intervention régionale. Une autre évaluation a été menée en 2016, une évaluation qualitative pour évaluer en fait les alertes sanitaires depuis la mise en place des EMH. Donc cette évaluation nous a montré que la mise en place des EMH avait un impact très positif pour les acteurs, tant pour nos collègues de la veille sanitaire à l'agence que pour les établissements médico-sociaux. Une dynamique était créée entre EMH et EHPAD, une culture du signalement, une sensibilisation à la surveillance continue des événements indésirables avait été notée. La fusion de notre région, ça a été une très belle opportunité en fait pour 4 départements de bénéficier du dispositif développé en Rhône-Alpes. Donc en fait, on a constitué un nouvel appel à projet en 2018. Au préalable, on a fait un groupe de travail au sein de la direction de l'autonomie, la veille sanitaire et en lien avec le CEPIAS. On a préfiguré donc 7 EMH. Et un déploiement a été effectué de 2018 à 2021. La dernière était l'EMH du Cantal. Donc là, vous avez quelques exemples des équipes mobiles auvergnates. Et on a saisi aussi l'opportunité pour étendre l'expérimentation des dispositifs EMS handicap avec un appel à projet qui a été lancé. Donc pour les EMH auvergnates d'Aurillac, Le Puy et d'Issoire, elles ont développé simultanément leur action envers les EHPAD et envers des établissements handicap. Voici notre carte d'Auvergne-Rhône-Alpes avec le lieu d'implantation de nos équipes mobiles d'hygiène, avec des effectifs pour toute la région de 18 ETP de praticiens hygiénistes et de 40 ETP d'infirmiers hygiénistes.
Là, c'est le calendrier de développement. Donc, il y a eu une accélération 2013-2014 avec l'appel à projet en 2013 sur Rhône-Alpes. Et puis 2018, lancé en Auvergne avec un déploiement important sur 2019 et les deux dernières, 2020-2021. En termes de couverture globale des EHPAD, donc on a 944 EHPAD au total, auxquels on soustrait les EHPAD affiliés à un établissement de santé. Donc on en a 786 éligibles. Et on a noté qu'il y en a 768 qui ont passé convention avec une équipe mobile, donc une couverture de 97% d'EHPAD. En termes de nombre de places, on arrive presque à 98%. Alors le rôle de l'AMH a été largement développé ce matin. C'est ce qu'on avait dit, hein, l'état des lieux s'appuie sur des outils, l'élaboration et l'analyse du DARI, en fait, un plan d'action, les maladies, les signalements, les alertes sanitaires et environnementales, l'antibiorésistance, des formations, de l'audit et la participation à des instances au sein des EHPAD. Mais comme il a bien été dit ce matin, l'EMH ne se substitue pas à l'établissement médico-social. Elle fait des préconisations et elle est là pour être en appui aux établissements. Donc là, c'est quelques principes qu'on a vus ce matin. D'un côté, l'EMH s'engage à fournir l'expertise d'un praticien, d'un infirmier hygiéniste et un petit temps de secrétariat. L'EHPAD s'engage à fournir des référents et correspondants formés à la prévention du risque infectieux et de faire en sorte que ces personnes puissent être disponibles auprès de l'équipe mobile d'hygiène. Un bilan annuel a lieu, donc c'est une rencontre importante au sein des établissements, le directeur, le référent hygiène de l'EHPAD, l'infirmier coordonnateur, le médecin co et le MH qui définissent en fait le bilan de l'année et le programme d'action de l'année suivante. Alors, une convention type a été élaborée entre l'EHPAD et l'EMH, donc l'établissement de santé, ou la convention OMS handicap, établissement de santé. Donc, la convention a été dupliquée avec quelques petites modifications. Donc là, on reprend en fait ce sur quoi s'engagent les deux parties, notamment la mise en place d'indicateurs, une évaluation périodique des actions, une aide technique, l'amélioration de la couverture vaccinale. Donc tous ces éléments nous permettent ensuite d'avoir une fluidité dans l'activité des EMH. Alors le financement, la modélisation qu'on a choisie, en fait c'est un nombre de lits. Donc 3000 lits égale un ETP de praticien hygiéniste, 1,8 d'infirmier hygiéniste et un petit temps de secrétariat de 0,2. C'était le modèle d'une circulaire pour les EOH qui a été repris. On accepte quelques dépenses logistiques. Alors le coût, il est modulable. Il y a un coût 70 euros à la place ou 82 euros, suivant les EMH et contraintes territoriales. Il y a des EMH qui sont en zone montagneuse, avec des établissements isolés. Et pour nous, il était entre guillemets injuste de leur donner le même tarif qu'une EMH en zone urbaine, avec des établissements en proximité, avec moins de temps de trajet. Dans la modélisation qu'on a fait, la répartition territoriale, on a privilégié des temps de trajet qui ne dépassent pas une heure, si possible, entre l'établissement de référence où a lieu l'EMH et les établissements médico-sociaux. Alors, l'effort consenti en 2021, c'est 4,9 millions pour notre agence, toujours sur du FIR. Et donc cette année, on a eu l'heureuse surprise de voir que la circulaire du FIR nous prévoyait de nous allouer 321 000 euros supplémentaires. Donc pour notre région, il s'agit d'agir sur l'extension progressive sur le champ du handicap, puisque la couverture EHPAD est déjà effective. Aujourd'hui, je rappellerai quand même le rôle d'appui du CEPIAS, qui est un acteur quand même incontournable dans ce dispositif, en tant que ressource régionale et d'expertise pour les équipes mobiles, d'animation du réseau également, 30 EMH sur une grosse région, un rôle de coordination, de conseil, de recueil d'indicateurs, de bilan annuel et puis d'analyse des bilans. Une analyse partagée que nous avons une fois par an et puis un tableau de bord pluriannuel. Le comité de pilotage, il se réunit depuis 2015, une à deux fois par an. Donc, il est composé en fait de représentants médicaux et paramédicaux d'équipes mobiles d'hygiène, de l'ARS et du CEPIAS. Son rôle en fait est de définir un programme d'action annuel pour approfondir certains thèmes d'études ou des procédures.
Et donc chaque année, ben, des thèmes sont présentés, l'état d'avancement des thématiques également, et elles sont reprises ou pas l'année suivante si elles ne sont pas terminées. Donc là, je vous donnais quelques exemples. Les accidents d'exposition aux siens, les infections urinaires, les déchets, les produits d'entretien. Ce sont des exemples des années précédentes. En termes d'indicateurs, donc la collecte se fait en N+1 d'avril à juin via une application dédiée élaborée par le CEPIAS. Donc là, j'ai mis une petite astérix parce que les données 2021, le rapport n'est pas définitif, donc ces données sont provisoires. Donc on a eu 100% de réponse des équipes mobiles d'hygiène. Donc comme vu tout à l'heure, le taux de couverture éligible est de 97%. Et en fait, sur la frise, en fait, vous voyez qu'on a sollicité les EHPAD avant même le déploiement, sur les quatre départements auvergnats, donc 2017-2018. Et en fait, ces années-là sont très intéressantes parce que ça nous permet de voir les indicateurs d'EHPAD sans EMH et avec EMH. Et là, le rôle des EMH est très significatif. Pour les établissements handicap femmes masse, le recueil des données a lieu depuis l'année dernière. Et là aussi, certains établissements, enfin les trois quarts, ne sont pas suivis par une EMH. Alors là, c'est quelques données, mais je ne voudrais pas prendre trop de temps, mais juste en termes de ressources humaines, le nombre d'EMH qui a atteint son effectif théorique n'est pas atteint. On n'a que 30% des EMH qui ont l'ETP cible de praticien, 56% pour l'IDE en hygiène, et en termes de secrétariat, 36%. Et ces chiffres sont en légère baisse par rapport à l'année dernière pour les praticiens et les infirmiers en hygiène. Alors après, il y a quelques ratios en termes de déplacement par rapport à 100 places ou par rapport à l'ensemble des EMH. En termes d'alerte aussi, les conseils téléphoniques et courriels ont vraiment une croissance très très forte en 2020 et encore en 2021. Des formations, donc 77% des EMS en convention ont été formés une fois dans l'année. Donc ça, c'est quand même important, ce besoin de formation. Les audits, les évaluations, les visites de risque, ben, il y en a eu un peu moins à cause de Covid. C'est des choses qui sont programmées. Donc il n'y a eu que 49% des structures qui ont bénéficié d'une action. Les autres actions, ben, classiques, hygiène des mains, campagne pour la vaccination contre la grippe, vaccination Covid, et puis la création, l'animation d'un réseau de correspondants en hygiène. Les sollicitations par les structures hors convention. Alors, la crise Covid a été un formidable accélérateur en fait de la connaissance des équipes mobiles d'hygiène et de leur expertise. 97 structures hors convention ont sollicité les équipes mobiles en 2021. Ce sont des établissements de santé de rattachement de l'EMH, mais c'est aussi des résidences autonomie, des IME, des établissements pour enfants et adultes polyhandicapés, des SIAD, des femmes et des CCAS. L'impact de la crise sanitaire sur l'activité des EMH, quelques points, mais vous les connaissez tous très bien. L'annulation de formations programmées, d'audits ou de groupes de travail, une augmentation de la permanence téléphonique, une mobilisation sur les centres de vaccination, la sollicitation par d'autres structures hors convention, mais également un partenariat solide en fait, avec les EHPAD, avec les établissements aussi handicap, malgré les difficultés RH de part et d'autre. Quelques illustrations sur les indicateurs d'établissements médico-sociaux. Donc, le taux de participation à ce bilan est de 72% pour les EHPAD et les femmes MAS, 50%. C'est une nette progression par rapport à l'année dernière. C'est la deuxième année à laquelle ils participent. Quelques indicateurs en termes de ressources humaines. Alors, les colonnes bleutées claires droites montrent en fait les établissements sans accès à une équipe mobile opérationnelle ou une équipe mobile d'hygiène. Donc en fait, les correspondants d'hygiène, il y en a nettement moins. Ceux qui sont formés, il y en a nettement moins. Voilà. Donc on retrouve des indicateurs qu'on avait vus au déploiement aussi des EMH EHPAD. Là, c'est l'organisation en matière de risques infectieux. Donc, il y a quand même un appui sur les DARI, sur le volet infectieux du plan bleu. Le programme d'action établi et mis en œuvre, là aussi, il manque un appui des équipes mobiles d'hygiène.
Là, ce sont les visites en établissement. Là, c'est l'organisation, la gestion des épidémies, des infections respiratoires aiguës et des gastro-entérites aiguës, et puis évidemment Covid sur ces deux dernières années. Alors, la consommation de solutions hydroalcooliques, l'objectif de 4 par jour a été atteint en 2020, mais en recul en 2021 avec 2,86. La vaccination antigrippale, bon, on constate en fait des différences. Les résidents sont à 86% vaccinés. Les professionnels de santé d'un nettement moins, 25%, et on constate toujours une différence entre établissements publics et établissements privés. La surveillance environnementale, on l'oublie, mais elle est très importante aussi pour les équipes mobiles d'hygiène. Par exemple, là, on voit sur la surveillance des températures, les éléments consignés dans le carré sanitaire. Ben, quand il n'y a pas de MH ou de OH, ce n'est pas consigné. Les protocoles légionnels, eh ben, il y en a nettement moins quand il n'y a pas d'équipe mobile. Alors là, c'est le tableau de bord qui a déployé le CEPIAS. Donc là, on voit le rôle pour le MH et l'impact en fait, qu'on attend en termes d'évaluation pour les établissements médico-sociaux. Donc là, c'est l'exemple du tableau de bord pluriannuel qui permet en fait, de neutraliser les deux années Covid et voir en fait, la progression de la couverture en fait, du dispositif et puis les ratios en termes de prévention du risque infectieux. Donc là, c'est l'EHPAD, mais on l'a également pour les établissements handicap. Alors là, je rappellerai en fait tout et tous que vous êtes là aujourd'hui et à distance. C'est le rôle immense et exemplaire des équipes mobiles d'hygiène sur cette crise Covid. Vous avez répondu aux sollicitations des établissements sur lesquels vous étiez en convention, mais pas que. Vous avez été sollicité par tout type d'établissements médico-sociaux et même de collectivités territoriales. Vous avez donc été un appui à d'autres structures. En 2020, pour notre région, c'est plus de 170 structures qui ont été sollicitées hors convention. Vous avez analysé les clusters, vous avez fait une réflexion sur l'organisation des soins en établissement. Vous avez structuré également les unités Covid. Et vous avez eu un appui renforcé du CEPIAS. Et pour notre région, les EMH ont été clairement identifiés comme un acteur incontournable, au-delà de la sphère direction de l'autonomie, ARS. Vous avez eu une notoriété et une expertise qui ont été largement reconnues. Les perspectives pour notre région, il s'agit simplement, mais surtout, de consolider notre dispositif qui fonctionne bien, de poursuivre son extension en fait via la couverture du secteur handicap. Donc si on reprend en fait les expérimentations qu'on avait lancées en 2018, et ben en fait c'était les femmes MAS, IEM et EAP. Donc là on va y aller progressivement pour pouvoir étendre sur toute notre région. Notre objectif c'est aussi poursuivre d'une démarche qualité en termes d'indicateurs, de rapports annuels, d'accompagnement. Le DARI est substitué par le DAMRI et les équipes mobiles d'hygiène pourront saisir en ligne et accompagner les établissements médico-sociaux. Donc c'est aussi un accompagnement qui se renforce et qui se poursuit sous d'autres formes. Les groupes de travail thématiques, pour nous c'est important. C'est aussi pour les équipes mobiles se positionner sur des thématiques sur lesquelles pour elles c'est important vis-à-vis de leurs établissements médico-sociaux, de les faire remonter, de travailler avec le CEPIAS. Et puis le référentiel HAS nous rappelle que ces indicateurs de qualité sont importants en termes de pilotage pour nos directeurs d'établissements médico-sociaux. Et puis, petite parenthèse, pour clore en fait, la présentation, c'est l'articulation aussi avec la stratégie nationale qui a été développée ce matin en matière de prévention des infections et d'antibiorésistance. Je vous remercie. Alors peut-être, est-ce qu'il y a des questions brûlantes ou est-ce qu'on enchaîne et puis on fait les questions ? On va faire les deux ARS. En plus, c'est un comparatif de deux fonctionnements différents. Alors, je n'ai plus le dossier avec les présentations. Si, là au milieu. D'accord. Ok. Bonjour à tous.
Donc Agnès Gerbault, directrice de l'autonomie à l'Agence régionale de santé Grand Est, et j'interviens en mon nom et en celui de Laurent Dalmas, qui est le directeur de la qualité, de la performance et de l'innovation au sein de l'ARS, puisque c'est un dossier que nous copions longtemps au sein de l'agence et en lien avec le CEPIAS Grand Est. Donc le projet que je vais vous présenter, c'est le projet de déploiement des EMH que nous avons appelé, qui s'insère dans un projet plus vaste qui s'appelle le projet de renfort en hygiène auprès du secteur médico-social Promesse, avec tout ce que ça peut impliquer quand on voit ce qui peut être fait dans d'autres régions et qui nous fait un petit peu rêver, mais ça nous donne une perspective pour la suite. Alors, on fait partie des régions qui se sont mobilisées sur cette question des équipes mobiles d'hygiène à l'aune de la crise. La thématique de l'hygiène et de la prévention du risque infectieux était assez peu développée historiquement en région Grand Est dans le secteur médico-social. On pouvait partager sur le manque de formation des professionnels, le choc culturel qui a été relevé ce matin, le fait que nos établissements étant des lieux de vie et non pas des lieux de soins, ou en tout cas un lieu de soins qui ne doit pas se voir, ça n'était pas forcément dans les premières priorités, et aucune des trois ARS préexistantes à la création de l'ARS Grand Est n'avait véritablement porté une politique en la matière, de manière construite en tout cas. Et puis, voilà, comme pour vous tous, le Covid est intervenu. Notre région a la spécificité d'avoir été très précocement touchée par l'épidémie, puisqu'on est une des premières régions de France, avec un petit foyer sympa à Mulhouse qui a bien aidé à être touchée par cette question d'épidémie, avec tout de suite un impact énorme sur les EHPAD, de nombreux clusters, une létalité importante pour les résidents, un effet de sidération, mais qu'on n'a pas pu se permettre de garder trop longtemps. Il a fallu passer à l'action. Et puis des conséquences tout de suite qui nous étaient remontées, le téléphone qui sonnait tout le temps sur la continuité d'activité, l'impact sur les personnels et bien sûr sur les résidents, et puis tous les aspects logistiques qui allaient avec. J'ai retrouvé quand même quelques chiffres pour illustrer tout ça. Le 20 mars 2020, nous avions 49 EHPAD. Enfin, il n'y avait pas de système véritablement organisé de remontée. Et face à la masse des systèmes existants, n'étaient pas forcément utilisés de manière très ordonnée. Mais en tout cas, j'ai retrouvé ce chiffre. Le 20 mars, 49 EHPAD touchés. Le 23 mars, trois jours plus tard, 138 EHPAD touchés. Nous dénombrions 47 décès de personnes âgées dans les EHPAD. Le 25 mars, donc deux jours plus tard, on était passé de 138 à 221 EHPAD touchés. Et 108 décès. Et puis le 1er avril, 5 jours plus tard, on était passé de 221 à 416 EHPAD touchés. Nous avons 620 EHPAD dans notre région. Donc au final, plus de 60% des EHPAD ont été touchés dès la première vague et dans une cinétique que je vous ai illustrée là, qui était extrêmement importante. Donc on a travaillé avant même qu'il y ait des consignes nationales sur les moyens de faire face. Et dans ces moyens de faire face, et bien sûr apparu face à ce virus nouveau, très contagieux, sans traitement curatif, sans vaccin, disponible en tout cas à l'époque, est apparue la nécessité d'investir de manière urgente et cette question de l'hygiène. Donc on a produit un plan d'action de soutien aux établissements, notamment aux EHPAD, en la matière, puisqu'il nous apparaissait que seules les mesures d'hygiène faisaient partie de mesures immédiatement possibles, sous réserve de trouver les ressources, pour limiter cet impact épidémique énorme. Donc, le CEPIAS à l'époque a été sollicité, mais je parle sous contrôle de M. Simon. Il était sur tous les fronts et on s'est bien rendu compte que les structures médico-sociales n'avaient pas forcément de liaison ou de réflexe, le réflexe CEPIAS, en fait, finalement, dans leur panorama d'action possible. Donc du coup, en dehors d'actions immédiates qui ont été mises en place, recours à des infirmiers hygiénistes dans les réseaux territoriaux, l'ARS Grand Est a souhaité, sur proposition du CEPIAS, le mobiliser pour tout de suite, la première vague a été passée, mais disons au milieu de l'année 2020, élaborer un plan d'action opérationnelle d'appui aux établissements médico-sociaux qui a été élaboré au printemps et à l'été 2020 et mis en place à partir de septembre en trois niveaux. Le premier niveau était d'administrer un questionnaire qui fasse un état des lieux du niveau de préparation
des différents EHPAD au risque infectieux et du niveau de compréhension et de mise en place des mesures de prévention de ce risque, avec notamment un soutien en hygiène possible ou pas possible. Il s'agissait de faire un peu le panorama de la situation de ce point de vue-là. L'idée étant de cibler les appuis sur les établissements les plus fragiles, avec des niveaux de criticité, soit des actions collectives où un contact par téléphone en appui était suffisant et il a été mis en place, soit pour les EHPAD qui étaient en situation le plus critique, c'est le niveau 3, il y a eu des visites sur site, avec notamment des EHPAD qui étaient en cluster non maîtrisé, pour essayer de les aider à gérer cette situation. Donc ça a été le plan d'attaque immédiat. Et puis en 2021, en tirant enseignement de cette première phase, nous avons souhaité transformer l'essai et travailler enfin sur cette question de renforcement structurel du soutien en hygiène et de prévention du risque infectieux dans les établissements médico-sociaux. Et donc, fort de ce partenariat en phase aiguë et dans un contexte où la crise n'était pas terminée, nous avons poursuivi donc ce partenariat avec le CEPIAS pour engager le maillage territorial d'appui en hygiène pour les établissements par donc effectivement la création d'équipes mobiles d'hygiène et qui ont trouvé leur place dans ce fameux projet Promesse. Alors, le projet Promesse, c'est un projet qui nous a été proposé par le CEPIAS Grand Est avec une gouvernance dédiée. Nous avons un comité de pilotage, nous avons un comité technique et nous avons un comité de suivi et de coordination qui associe un certain nombre de professionnels. Alors concrètement, il y a eu 5 actions dans le cadre de ce projet. La première action a été, au-delà du premier état des lieux en 2020 qui avait été fait, de réaliser un état des lieux plus exhaustif des ressources en hygiène et en prévention des infections associées aux soins à disposition des établissements de santé et des établissements médico-sociaux dans le Grand Est pour cartographier l'existant. Donc ce questionnaire a identifié les besoins de renfort. Ce questionnaire a été administré par le CEPIAS. Il y a eu tous les établissements n'ont pas répondu, mais on s'est rendu compte qu'une grande majorité, enfin on a objectivé qu'une grande majorité d'établissements médico-sociaux n'avaient pas de ressources en hygiène possibles, soit en intra, soit dans leur réseau territorial, ce qui pouvait faire un nombre d'établissements relativement conséquent. Ensuite, le CEPIAS a conduit des actions qui visaient à benchmarker et à s'inspirer de ce qui se faisait ailleurs. Donc, regarder un petit peu comment, dans les autres régions françaises, on vient d'en avoir un exemple phare pour toutes les ARS, la chose était traitée. Et puis, benchmarker sur les différents dispositifs mis en place dans les régions et proposer des scénarios d'organisation régionale en la matière. Et je vais y revenir, ce sont ces scénarios qui nous ont guidés dans l'établissement d'un cahier des charges pour un appel à candidature qui a suivi. Bien sûr, le CEPIAS continue, et ça fait partie du projet de l'appui opérationnel aux établissements médico-sociaux dans le cadre de la pandémie et des autres infections associées aux soins. L'un des effets de cette pandémie, c'est que le CEPIAS a été mieux identifié, et donc certainement que le recours y est plus fréquent. Et puis, nous avons commencé à déployer, je vais y revenir, les EMH, et le CEPIAS s'est bien positionné en coordination régionale de cet appui opérationnel en prévention des infections associées aux soins pour les ESMS. C'est le CEPIAS qui anime régionalement les différentes équipes qui, elles, sont rattachées à leurs établissements, comme je vais vous l'expliquer. Donc ça, c'est la carte qui ressortait de l'état des lieux. On a une grande région également, 10 départements, 8% de la population française. Et on voit que lorsqu'on fait l'état des lieux, alors sur la base des répondants de l'accès à une compétence en hygiène, et ben on a un relatif gradient est-ouest. À l'est, on a Bas-Rhin, Haut-Rhin, Strasbourg, Colmar, Mulhouse. Et puis, dans l'ouest, on a des départements avec Troyes, Reims, Charleville-Mézières et au milieu la Lorraine. Et on voit qu'il y a un peu plus de rouge dans l'état des lieux qui a pu être fait à l'époque sur le côté gauche que sur le côté droit de la carte. Pour autant, nous avons des poches de rouge, de orange, de jaune dans un certain nombre de bassins de territoire. Et donc, il était important de continuer à travailler sur la base de ces états des lieux qui sont en réadministration permanente. Sur cette base, nous avons lancé un appel à candidature pour le déploiement de 7 équipes mobiles d'hygiène. Nous n'avions pas de,
de crédits pré-identifiés au sein de notre FIR. Donc nous avons considéré qu'il convenait d'identifier une enveloppe. Nous savions que le niveau national réfléchissait à la possibilité de dégager des financements complémentaires pour ce type de structure. Donc on a dégagé une marge de manœuvre en 2021 pour se faire en anticipation. Et donc nous avons lancé l'appel à candidature avec les objectifs classiques qui ont été illustrés depuis ce matin, apporter aux établissements les compétences en hygiène et en prévention des infections liées aux soins. Nous avons d'emblée ciblé les EHPAD, les MAS et les femmes, avec l'idée bien sûr d'essayer d'avoir des équipes qui couvrent des établissements qui n'étaient pas dotés de cette compétence précédemment. Nous avons choisi de développer en tant que dispositif d'appui territorialisé dédié les équipes mobiles d'hygiène avec les missions classiques. Nous avons fait le choix qu'elles soient adossées aux équipes opérationnelles d'hygiène hospitalière déjà existantes. L'idée, c'est vraiment de travailler dans le cadre de ressources rares et de travailler sur la notion d'équipe pour pas que les EMH soient isolés dans leur exercice et qu'elles puissent s'appuyer sur une équipe plus structurée derrière et plus solide pour éventuellement disposer d'appuis spécifiques le cas échéant. Le cahier des charges, donc, nous avons lancé un appel à candidature qui permette aux établissements de santé disposant d'une équipe opérationnelle d'hygiène structurée et fonctionnelle de candidater. Nous n'avons pas, sur ce premier temps, qui est un temps quasi expérimental, nous ne voulions pas trop contraindre, donc nous n'avons pas défini, malgré le fait que nous avions une visibilité sur les territoires rouges, verts, oranges, etc., nous n'avons pas défini de territoire cible préalable. Nous voulions voir comment les acteurs pouvaient s'emparer de cette possibilité. Donc nous avons défini un territoire Grand Est avec les missions qui ont été largement évoquées dans les précédentes interventions. Donc je n'y reviens pas, je fais juste une petite incise à titre d'information. Nous avons en ARS Grand Est un partenariat avec une association qui s'appelle Coactis, qui travaille sur l'accès à la santé et aux soins des personnes en situation de handicap et qui fait notamment un outil qui s'appelle Santé BD. Ce sont des BD accessibles aux personnes en situation de handicap, mais pas que. On peut les utiliser tous, finalement, même quand on n'a pas de handicap et pas de problème de compréhension. Et il y a notamment dans ce cadre-là des BD qui existent, par exemple, sur l'hygiène des mains, par exemple, sur le port du masque. Donc voilà, je vous le signale à toutes fins utiles, mais ça peut être aussi des outils intéressants en termes de support pour les plans d'action que les EMH, dans le cadre de leur mission, aident les établissements à mettre en place, à définir et à mettre en place. Le cadrage que nous avons déterminé après réflexion, benchmark et le benchmark que j'évoquais tout à l'heure, c'est que nous avons défini une équipe socle pour une moyenne de 18 établissements médico-sociaux avec l'idée d'avoir une zone géographique tout de même pas trop étendue. Donc on a limité à une heure de route autour du point de départ de l'équipe mobile. En prenant en compte l'idée que pour un établissement donné, le temps de travail annuel de l'EMH est fixé à environ 12 jours pour aller de l'état de lieu initial à la construction des outils, à l'aide au plan d'action, à la gestion des épisodes infectieux qui pourraient survenir, enfin faire l'ensemble des missions sur une année donnée. Et donc nous avons dégagé 720 000 euros pour cette équipe mobile dans un premier temps, qui vise à couvrir pour chacun un ETP d'infirmière hygiéniste, un temps d'encadrement à 0,2 ETP, et puis la prise en charge de frais annexes. Et nous avons souhaité donner une visibilité, c'est-à-dire garantir pour ces EMH, dans l'attente d'une éventuelle pérennisation, des financements pour 3 ans. Donc l'ARS s'est engagée à conserver un certain nombre de crédits, au moins pour 3 ans, sur cette thématique-là, de façon à soutenir la montée en charge de ces EMH. Donc voilà l'implantation des 7 EMH. Donc vous voyez que nous en avons eu 7 et finalement, alors certaines zones qui étaient en rouge vont pouvoir être, ou en orange vont pouvoir être couvertes, mais on voit que de la même manière, les équipes qui se sont, les projets qui ont été présentés sont plutôt dans les territoires où il y avait déjà peut-être un peu plus de compétences disponibles, ce qui pose des questions sur lesquelles je vais revenir. Ces 7 EMH permettent d'apporter une expertise en hygiène à environ 126 ESMS. Malgré tout, les zones rouges montrent qu'il y a entre 18 et 45%, ça dépend des répondants, mais des biais statistiques, mais en tout cas une grosse part des établissements médico-sociaux qui n'ont toujours pas recours
à possibilité de recours à une compétence en hygiène. Donc les points d'attention et les difficultés dans le cadre de ce projet qu'on peut relever, c'est les difficultés en ressources humaines pour les équipes mobiles, difficultés éventuellement à recruter, à pouvoir dégager le temps nécessaire, y compris pour les EOH supports, qui peuvent être elles-mêmes en difficulté pour leur propre fonctionnement et qui ont parfois du coup du mal à proposer des projets de MH. Les points d'attention, c'est les perspectives de pérennité, mais Madame Hérault a adressé quelques perspectives ce matin. Nous avons une question, vous l'avez vu sur les cartes, d'équité territoriale en la matière, puisque nous avons un gros souci sur un certain nombre de territoires pour lesquels, pour autant, les projets n'émergent pas à ce jour ou ont du mal à se concrétiser. Et du coup, nous avons en 2022 souhaité ne pas relancer un appel à candidature, mais plutôt, puisque nous avions identifié ces territoires en souffrance, avoir une politique d'aller vers, c'est-à-dire aller à la rencontre via le CEPIAS qui s'est mobilisé dans cette politique des porteurs de projets potentiels, en tout cas des établissements de santé que nous attendions sur le portage d'une EMH. Et nous avons aujourd'hui une vraie difficulté à faire émerger de nouveaux projets. Nous avions en cible 4 à 5 équipes mobiles supplémentaires. Et a priori, on a un dossier et on en aura peut-être 2 ou 3 autres d'ici la fin de l'année. Mais on voit que c'est extrêmement laborieux. Pour autant, les EMH qui ont été mises en place se montent en charge progressivement sous la coordination régionale opérationnelle confiée au CEPIAS Grand Est qui a été renforcée pour ce faire dans le cadre de ce projet global et qui travaille très activement et avec beaucoup de volontarisme sur un certain nombre d'outils de soutien, outils de formation, outils concrets, tous les aspects communication, information, le tutorat. L'animation du réseau se fait et à tel point que les 7 EMH déjà identifiés ont pu assez rapidement au cours de cette année se doter d'un logo commun qui va donner de la visibilité aussi aux EMH dans le futur. Donc les perspectives, pour finir, c'est bien sûr notre souhait de continuer à essayer de cibler les zones déficitaires et de solliciter directement les potentiels promoteurs. Je vous ai expliqué les difficultés. Et donc, nous aurons à questionner notre stratégie pour voir comment nous arrivons à faire émerger des projets dans la suite. Et puis, il y a la question de l'état des lieux qui est tout le temps à affiner pour aller chercher les non-répondants et pour se dire que rien qu'en posant la question, on génère une réflexion et on peut essayer de se mobiliser pour soutenir les différents projets ou les différents besoins. Quelques questionnements, la problématique des ressources humaines, avec les difficultés actuelles à recruter des personnels spécialisés pour assurer les missions du quotidien, et donc par ricochet des difficultés sur les équipes mobiles d'hygiène, enfin sur le montage de ces projets. Notre perspective est de se dire qu'on est de toute façon dans une crise systémique au niveau ressources humaines, mais que pour autant, ce projet d'EMH, pour nous, est un levier pour continuer à avancer sur quelque chose qui est fortement porteur de sens, pour créer des dynamiques. Les projets qui n'émergent pas, très souvent, les EOH le regrettent elles-mêmes. Elles sont tout à fait convaincues du bien fondé. Mais voilà, il faut pouvoir arriver à créer les conditions de porter un projet de manière dynamique et positive. Nous pensons que ce levier des EMH est aussi un levier pour valoriser de l'expertise dans le cadre de parcours professionnels d'un certain nombre de professionnels de santé, et notamment d'infirmiers hygiénistes. Donc on essaye de promouvoir cette bonne parole pour essayer d'attirer les professionnels dans un contexte extrêmement tendu. C'est une problématique d'importance. On a parfois, un petit peu comme le disait mon collègue, l'impression d'arroser le sable, c'est-à-dire avec le turnover qu'on connaît, les EMH se mobilisent, mais moi je me dis que le sable est une matière première importante pour construire des fondations solides qu'on peut mettre dans des ensembles un peu plus solides. Donc il faut continuer à arroser ce sable. Et puis de toute façon, même si les personnes ne restent pas en poste, elles vont ailleurs et elles y vont avec leur culture. Donc c'est un investissement collectif qu'on fait pour que la question de l'hygiène puisse petit à petit infuser dans les différents milieux professionnels. Et puis, cela a été évoqué, la question de l'articulation possible avec des équipes, alors les équipes multidisciplinaires en antibiothérapie, les équipes mobiles de gériatrie, on a cité les soins palliatifs,
ces équipes qui ne sont pas toutes du même niveau, pas toutes au même niveau de développement. En tout cas, un certain nombre ont déjà, et c'est un des éléments de la crise, une vraie mobilité vers nos EHPAD, nos MAS, nos FAM, notamment les équipes de mobiles de gériatrie qui ont été d'un grand secours également pendant la crise sanitaire. Donc on se dit qu'il y a certainement des rapprochements et de la même manière une capacité peut-être à proposer des parcours professionnels ou des sujets intéressants pour les professionnels via ces articulations possibles, ce qui nécessite des modèles cibles et des travaux aussi dans les territoires pour bien articuler les différents dispositifs. Voilà, je ne sais pas si j'ai tenu le temps. Si vous voulez revenir, peut-être, Madame Pouzet, pour les quelques questions sur l'organisation des ARS. Vous avez deux profils complètement différents. Une construction qui date de nombreuses années et une construction en réaction immédiate à la Covid, avec beaucoup moins de moyens, du coup, plus compliqué de réagir en crise que quand on s'y prend... de longue date, hein, c'est un peu la leçon, je dirais, là, hein, de ma vision. Mais et puis que peut-être la table ronde peut s'installer parce que comme ça, donc il y avait Madame Laure Roux, Aline Dumont, Florence Jeter, Chimène Saïf et un médecin ESMS. Je sais pas s'il y en a. Non. Non. Oui, peut-être participer. Oui, toutes les deux, puisqu'il y a un médecin au moins s'il y a assez de sièges, peut-être pas. Et puis je vais les passer le micro à ma chère amie. Voilà. Merci Anne. Donc pendant que la table ronde s'installe, je suis Nathalie Veil, pharmacien hygiéniste centre hospitalier de Valence, en équipe mobile d'hygiène depuis 15 ans, début en 2007. Avec 18 structures handicap que nous avons eues en financement, Madame Pouzet, je ne la vois pas, voilà, pour la crise Covid. On est arrivé dans le handicap avec le Covid, nous. Merci d'avoir répondu présent à cette entreprise un peu folle qui est une table ronde avec, j'imagine, des questions que vous aurez à poser dans la salle. Moi, je voulais déjà que vous vous présentiez pour ceux qui n'ont pas encore parlé ce matin. Donc un petit tour, vous dites qui vous êtes, votre fonction, votre établissement, puis après on reviendra plus amplement, je reviendrai plus amplement vers vous. Madame Dumont. Mais oui. Alors, c'est re-moi. Bonjour. Aline Dumont, infirmière co à l'EHPAD MGN d'Arès. Voilà. Laure Roux, je suis praticien hygiéniste sur l'équipe mobile d'hygiène EHPAD rattachée au CHU de Nîmes. Chimène Saïf, directrice d'établissements médico-sociaux. Florence Liotier-Cola, je suis pharmacien. Je travaille au CEPIAS Grand Est sur le dispositif de EMH dont on a parlé à l'instant. Et Agnès Gerbois présentée. Je travaille aussi pour AntibioEst, qui est le CRATB en Grand Est. Marguerite Pouzet, donc je travaille à l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, à la direction d'autonomie, et je suis responsable du pôle qualité. Merci. Alors, j'avais des petites questions à poser. J'ai fait ma petite liste, j'ai préparé. Revenir vers Madame Dumont. C'est vrai que vous nous avez parlé, c'était très intéressant ce matin. Comment vous avez vécu la crise du Covid ? Moi, j'étais curieuse de savoir, avant cette crise du Covid, comment vous travaillez la prévention du risque infectieux. Et également, vous avez parlé de la mise en place de référents en hygiène. Je me trompe ? Non ? On a pour projet, effectivement. Pour projet, comment vous envisagez cette chose-là ? Candidature spontanée, enfin, vous allez nous dire. Comment vous avez travaillé en amont la prévention du risque infectieux, le DARI peut-être ? Alors, de toute façon, comme disait le docteur Roux tout à l'heure, on travaillait via le CECLIN. Alors, nous, on appelait ça CECLIN, on l'a revisité. Mais
Bon, c'est vrai qu'avec le docteur Hall, c'est un petit cheval de bataille, parce que autant les soignants, ils ont un petit peu cette culture de l'hygiène, et encore, il faut quand même rabâcher beaucoup, autant tous les personnels non soignants, c'est-à-dire, nous on appelle ça les hôteliers, alors pour beaucoup, ce sont des AESH, nous on appelle l'équipe logistique les hôtelières, et puis tous les autres acteurs qui gravitent autour, hein, parce qu'il n'y a pas que les soignants dans un établissement comme cela. Et après, c'est beaucoup des discussions, beaucoup des petites formations sur des temps courts, parce que de toute façon, on a peu de temps aussi en dehors de l'organisation d'une journée. Donc on essaye de se détacher des petits temps comme ça, sur des petits tests flash, souvent quand même à viser un peu ludique. Alors voilà, la petite danse du chat, par exemple, entre autres, la solution hydroalcoolique, tout ce qui est vaccination, tout ce qui est l'élimination des déchets. Et en termes de démarche d'analyse du risque infectieux, j'imagine que vous avez fait votre audit. Oui. J'imagine bien. Oui. Donc, du coup, comment vous avez travaillé ça? Je ne sais pas, peut-être que Dr Roll veut compléter. En fait, comme on l'a évoqué ce matin, on se réunissait régulièrement avant le Covid. On faisait à peu près des réunions tous les 3 mois formalisées avec le personnel qui était volontaire pour venir dans ces réunions. Hein, c'était même, on a eu fait en dehors du temps de travail, ces réunions sur l'hygiène. Et on abordait des thèmes différents selon effectivement les résultats du DARI. Parce qu'on le faisait tous les ans. Bon, maintenant, on ne l'a pas fait depuis 2 ans. On avait un plan d'action et en fonction des thèmes évoqués, on se réunissait tous les 3 mois à l'époque. Les soignants venaient, les hôteliers venaient, enfin, venaient qui voulait. C'était vraiment sous le mode du volontariat parce que je vous dis, ça nous est arrivé de le faire en dehors du temps de travail parce que, comme le dit Madame Dumont, on n'a pas trop de temps. Hein. Les journées sont quand même très bien remplies. Hein. Ok, merci. Donc on voit bien quand même que ça nécessite du temps de travail. Ce DARI que vous avez écrit, l'évaluation que vous avez faite, l'état des lieux de vos protocoles, peut-être un petit peu des organisations également. Vous avez écrit des protocoles et que finalement, il fallait associer à ce temps d'évaluation des rencontres avec les professionnels et également du temps de formation que vous avez pu faire, Madame Dumont, pour monter votre analyse et maîtrise du risque infectieux. Vous voulez rajouter ? Juste, j'insiste sur le fait que les protocoles n'étaient pas élaborés dans notre coin. Les protocoles étaient toujours soumis à l'avis et élaborés et affinés en fonction de ce que l'on pouvait faire dans l'établissement avec les soignants et les non-soignants. Ça, j'insiste, pour pouvoir justement s'imprégner de ces protocoles aussi. Hein. Parce que quand vous faites des protocoles, et vous les accaparez pas, en fait. Voilà. Donc j'insiste sur ça. Ces réunions, elles servaient à ça aussi. D'accord. Donc en termes d'imprégnation du risque infectieux au niveau hygiène, c'était sous l'égide du CEPIAS, Nouvelle-Aquitaine. Et alors, la bonne nouvelle, c'est que vous allez profiter d'interventions maintenant. C'est chouette. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle du jour. Le CEPIAS après. Là, c'est vraiment une collaboration qu'on a sollicitée par rapport à la pandémie. Mais avant, c'est vrai qu'on le faisait plutôt en interne, voilà, via des formations aussi, hein, de notre côté. Mais voilà. Non, le CEPIAS, on l'a vraiment sollicité sur la pandémie. On est quand même très isolé, on reste très isolé au niveau de tout cet accompagnement-là. On est très autonome. Alors parfois, on est peut-être à côté, du coup. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autonomie des établissements. Et peut-être que cette crise Covid, durant cette crise Covid, ils ont pu
avoir manqué peut-être de contact, mais en même temps, en termes d'expérience, et là c'est mon expérience qui parle, développer une certaine autonomie par rapport à tous ces documents dont on a parlé ce matin, qui les a certainement rendus un peu autonomes au niveau de la prévention du risque infectieux. Et au niveau des équipes d'hygiène, le retour, bon, on n'a pas trop parlé, mais peut-être Laure nous dira des choses, où on a pu quand même constater une autonomie et des fois pas trop intervenir, paradoxalement. Et du coup, Chimène, eh bien déjà, te présenter ton établissement, le nombre de lits, les caractéristiques, et puis nous faire peut-être un petit retour sur ton vécu avant, après EMH. Avec plaisir. Donc du coup, moi je suis directrice de trois établissements qui sont sur le même site. Donc une masse et deux foyers de vie. Donc de taille moyenne, ça représente au total 70 lits. Donc la particularité, c'est que la masse est conventionnée avec l'EMH et les foyers de vie, étant des établissements rattachés au département, ne sont pas conventionnés avec l'EMH. Ça c'est la théorie, mais Dr Veil nous apporte toujours, malgré tous ses bons conseils. Donc, mon association, c'est la DAPI, donc c'est une association départementale, je pense que tout le monde connaît. Donc dans la Drôme, c'est environ 50 établissements et services. On a aussi la particularité d'avoir, au niveau des fonctions support du siège, une e-cadre santé. Le i, c'est pour le côté moderne et dynamique de ce qu'elle impulse dans le secteur médico-social, parce que c'est une vraie révolution. On n'est pas un secteur qui a l'habitude d'avoir ce type de poste. Alors nous, la convention avec l'EMH, elle s'est faite avant mon arrivée à la DAPI, mais j'ai l'historique. C'est en 2017-2018, suite aux circulaires qui ont été présentés ce matin, la DAPI se dit, bon, la directrice qualité dit, ben là, en termes de protocole d'hygiène de base, dans nos établissements, il y a un gros manquement. Donc des audits qu'elle fait, elle, en interne, elle aperçoit un manquement sur ces thématiques-là. Donc le partenariat né avec l'EMH, avec notamment un plan de formation qui est quand même très riche. Au niveau, nous, on a la chance en Drôme d'avoir un plan de formation qui est très riche, mais depuis bien avant le Covid, et donc des formations qui sont mises en place dans les établissements. Et puis après, on a eu la vague Covid malgré tout, et là, l'EMH a vraiment été en soutien, en support technique pour nos établissements. On les a bien souvent sollicité pour des établissements qui n'étaient pas forcément conventionnés, mais qui étaient sur les mêmes sites. Il faut savoir que le pôle accueil spécialisé, donc c'est le pôle foyer de vie masse femme, représente 263 lits au niveau de la Drôme, à la DAPI 26. Et donc du coup, on a pu avoir les interventions sur l'ensemble de ces établissements et de ces sites, donc du nord de la Drôme au sud de la Drôme. L'avantage avec d'avoir été conventionné avec l'EMH, c'est vraiment l'expertise, en fait. L'expertise qu'on n'a pas, nous, c'est pas dans notre culture. Et même nos soignants, en fait, perdent dans la pratique, ont perdu dans la pratique parce qu'ils sont davantage tournés sur l'éducatif, dans l'accompagnement quotidien. Et on a vu vraiment les choses... on a vraiment vu nos professionnels monter en compétences avec l'accompagnement de l'EMH. Moi, je dis toujours, c'est ma hotline. Enfin, voilà, c'est un peu quand j'ai un souci technique. Alors certes, j'ai beau avoir une cadre santé, les services d'Elpida, le service dont j'ai parlé ce matin, notre référence reste l'EMH. Et d'ailleurs, Dr Veil est régulièrement en lien avec notre cadre santé. Tu nous as pas parlé du profil des résidents ? Oui. Ah oui, pardon. Excusez-moi, je veux bien... pardon, je suis désolée de vous interrompre, mais il y a un petit point sémantique. Il faut arrêter, je pense, de parler de lits. On a dit plus tous, hein, le combien de lits dans une masse. Mais ce n'est pas des lits, c'est des places avec des résidents. C'est des, voilà, et c'est, ça a une image derrière d'une chambre avec un lit et quelqu'un dedans. Et ce n'est pas ça, le médico-social. Donc, juste, je me permets d'intervenir à ce stade-là parce que ça me semble important. On a eu ce matin une intervention qui montrait bien le choc des cultures. Et ça commence aussi par cette question de sémantique. Parce que quand on aborde un établissement en disant combien vous avez de lits, ça peut être un problème. Voilà. Effectivement. Merci. Alors, moi, j'ai répondu en lit parce que la question m'était posée en lit. Et que pour avoir fait les différentes journées de CEPIAS, si on veut avoir le même vocabulaire et qu'on me comprenne, mais effectivement, on parle de place. D'autant qu'une derrière une place, il y a parfois plusieurs personnes. Nous, on a monté le concept du Andy Herbie en plus dans la DAPI de la Drôme. Donc, voilà. Mais merci.
Du coup, les résidents... La typologie, oui. Alors, oui. Donc, on est sur du handicap intellectuel avec de la déficience moyenne à sévère. On a aussi bien des résidents présentant du polyhandicap que des troubles psychiques importants ou de l'autisme. Nous, c'est des profils assez variés, d'autant que, bah, comme la plupart des établissements médico-sociaux, on est aussi impacté par le manque de place dans le secteur, et que, par exemple, en foyer de vie, sur un foyer de vie de 20 résidents, j'ai aussi 10 résidents qui ont une orientation masse, donc avec de la déficience sévère et des soins et un besoin de soins importants. Donc autant en masse, on va être sur du soin important, autant en foyer de vie, on est sur des profils avec des résidents beaucoup plus autonomes. Avec des particularités également au niveau des professionnels, je pense aux personnes qui font l'entretien des locaux, le ménage, selon la typologie de la structure, en fait, on n'a pas le même mode d'intervention et de financement. Oui, effectivement. Du coup, sur mon site, à l'Agora, donc il y a à peu près 90 ETP. Si on regarde sur la masse, on a principalement des profils... aide-soignant, AMP, et on va avoir une coordinatrice qui est éducatrice spécialisée avec un chef de service. Et ensuite, en plateau technique, on va avoir infirmière, kiné en libéral, ergo, psychomote, et voilà. Et après, on a des intervenants extérieurs. Au niveau de l'entretien des locaux sur la masse, jusqu'en janvier 2022, on était en prestation externalisée avec une entreprise qui fait du nettoyage hôtelier. Et on a réinternalisé la prestation depuis janvier, et donc avec des AIC. Voilà, tout ça pour dire qu'en fait, on a des établissements du handicap qui ne fonctionnent pas du tout comme les EHPAD, où on va avoir des professionnels attitrés à une structure. Là, on est dans des structures qui sont pavillonnaires et qui ont des modes de fonctionnement différents dans chacune des structures. Autant dans le foyer de vie, on peut avoir des professionnels comme pour l'entretien des locaux qui sont affectés à la structure et des intervenants extérieurs pour le MAS, alors qu'on est dans le même bâtiment. Donc, on ne gère pas les choses de la même façon. En fait. Et ce côté pavillonnaire aussi, on le retrouve quand on a des épidémies, par exemple gastro ou Covid, peu importe, où eh bien, on va fermer parfois une unité, par exemple de la masse, parce que la masse a 3 unités, mais du coup, ça va impacter une marche en avant différente, ça va impacter aussi de bloquer des résidents, des professionnels pardon, aussi sur certaines unités, et donc de dédoubler, d'augmenter notre masse salariale à ce moment-là pour pouvoir prendre en charge au mieux l'épidémie du moment, avec toutes les problématiques RH qu'on peut connaître actuellement. Je suis sûre que tu as envie de nous parler de ce que tu as vécu pendant la crise Covid. Enfin, comment tu as géré la rébellion ? La rébellion, oui. J'ai combien de temps en tout ? Un quart d'heure ? Ah, alors, tu as 2 mots à dire sur ton épidémie. Alors du coup, notre premier cluster, ça a été en août 2021. Et donc, entre février 2020 et août 2021, nos résidents ont eu pléthore de tests Covid et ils en ont eu marre. Et donc, ils en ont eu marre. Quels sont les EHPAD qui n'ont pas vécu le ras-le-bol des résidents ? C'est ça. Donc, du coup, là, ça a impacté le consentement aux soins. Dans le handicap, quand on a des personnes qui sont non-verbales, c'est difficile à aller les chercher. Donc on a essayé de mettre en avant l'autodétermination, c'est un concept important en plus dans notre association. Et donc avec l'accompagnement de l'UMH, on a mis en place une cellule éthique pour prendre en compte l'autodétermination des résidents et se donner une ligne de conduite en mettant dans la balance la doctrine du moment, puisque les doctrines changeaient régulièrement, et donc du coup le choix accepté par tous des résidents. Donc il y a une vraie élaboration dans l'établissement qui a porté ses fruits et sur laquelle on tient encore jusqu'à présent. Merci, Chimène. Merci. Laure, tu vas te présenter le montage de ton équipe. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je suis praticien, donc pharmacien de formation sur une équipe mobile. Alors en fait, Nathalie m'a demandé un petit peu de vous parler de tout le parcours de la conception d'une équipe mobile. Alors pour aussi motiver ceux qui sont en phase de construction de ces équipes-là, et puis pour remotiver ceux qui parfois sont un peu en perte de vitesse sur certains freins qu'on peut rencontrer. Donc moi, mon équipe a été conçue au départ en 2014
Je suis arrivée en 2015 dans cette équipe. Il y avait une infirmière pour, qui était en poste en CDD. Il faut, les statuts ont de l'importance et la pérennité des postes également, puisqu'on verra que c'est aussi des freins sur le recrutement, hein, le statut sur lequel on peut recruter éventuellement des professionnels. Et moi, j'étais sur un 0,3 équivalent temps plein de praticiens attachés. Et aujourd'hui, on est donc on accompagnait à ce moment-là 8 établissements. Donc on était vraiment une toute petite équipe. On s'était inspiré largement du modèle de Drôme Ardèche avec un petit peu les objectifs que l'ARS avait repris. Et on a été très soutenus par l'ARS qui a voulu être un petit peu déployé de façon un peu pilote ces équipes mobiles sur l'ancienne partie Languedoc-Roussillon qui maintenant a fusionné avec les grandes régions sur l'Occitanie. Donc en fait aujourd'hui, pour dire qu'il ne faut absolument pas se décourager, on est une équipe qui est beaucoup plus consolidée. On a 3 infirmières, 2,8 équivalents temps plein, 2 titulaires et une en voie de titularisation que j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui. Et moi je suis à temps plein sur un poste de praticien. Donc en fait il faut vraiment croire en fait à cette démarche et absolument être vraiment convaincu que ce que l'on apporte aux établissements nécessite en fait qu'on consolide et qu'on revendique nos statuts. Aujourd'hui, on accompagne 4100 lits et places sur les EHPAD, je ne sais pas comment on dit, places. Donc 4100 places de secteur uniquement sur de l'EHPAD. Et on a, durant la crise, intégré dans nos accompagnements tous les établissements qui ne bénéficiaient pas de ressources ou d'appui, parce que les CPIAS qui peuvent venir en relais également des établissements non couverts par des EMH étaient également surchargés par les demandes de la part du secteur sanitaire, de la ville et également du médico-social. Donc en fait, on a aussi accompagné des SIAD qui sont souvent rattachés à des EHPAD. Et l'intérêt du... Moi, finalement, le post-Covid et tout l'intérêt en fait de cette... mobilisation autour de préoccupations communes, hein, c'est-à-dire la sécurité sanitaire et le bien-être des résidents de façon coordonnée, nous a permis quand même de nous solidariser autour d'objectifs communs et de faire en fait des groupes transversaux avec des gériatres, avec des infectiologues, avec le CPIAS qui nous a aussi beaucoup soutenus, les microbios qui nous ont accompagnés, les labos de ville aussi. Donc on a quand même une dynamique assez intéressante, en tout cas nous, pour ce qui nous concerne au niveau du Gard, on est quand même plutôt satisfait. Alors on ne va pas dire qu'on est satisfait du Covid, mais on va dire qu'on a réussi à se serrer les coudes et du coup ça nous permet d'en bénéficier aujourd'hui. Alors quelques mots sur l'organisation, on va dire pratique de notre équipe. On est donc 2,8 équivalents temps plein et un praticien. Moi, j'ai choisi de mettre plutôt des infirmières en référence d'un certain nombre d'établissements. Donc, elles sont une IDE référente pour 20 structures, ce qui permet aussi que les établissements soient un petit peu en relation de confiance et d'exclusivité avec une infirmière en particulier. C'est leur infirmière, elles ont un petit peu... les équipes ont l'impression que cet accompagnement est un petit peu plus individualisé. Et on a un programme qui se déploie de façon annuelle. On le répartit sur des quadrimestres, en fait, et on a une thématique par quadrimestre qui, généralement, essaie d'être cohérente un petit peu avec les actualités du moment, c'est-à-dire qu'actuellement, on fait les épidémies, ensuite, on fera l'hygiène des mains, et ensuite, on fait une thématique un peu libre que chaque établissement, en fonction de ses priorités, définit. Donc, certains, là, cet été, ça a été le bio-nettoyage qui a été très demandé par les équipes. Voilà, on s'adapte un petit peu à leurs besoins. Et au-delà de cet accompagnement programmé et proposé, toutes les interventions sur des situations aiguës en fait, mobilisent aussi les infirmières de façon plus ponctuelle. Est-ce que tu aurais connu des difficultés au cours du déploiement de ton équipe ? Alors les difficultés, elles ont été essentiellement pour ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est compliqué de recruter et de garder des personnes qui ont des statuts qui sont non pérennes en fait. Donc on a rencontré pas mal de difficultés pour fidéliser un petit peu l'équipe. Alors parce que certaines avaient d'autres projets, puis parce que certaines étaient un petit peu inquiètes aussi de, je dis certaines parce que c'était que des infirmières eux. Et donc en fait on a aussi ce besoin de, de,
de créer des postes pérennes pour pouvoir en fait être attractif. Voilà. Aujourd'hui, on est dans une phase d'extension à l'échelle du GHT qui correspond nous à notre département. Et notre équipe a 61 établissements en convention. Et l'objectif est d'arriver à 90 établissements. Et là, aujourd'hui, voilà, les discussions se font en lien avec la direction de notre CHU et l'ARS. Tu m'as confié quelque chose tout à l'heure à la pause repas. Tu t'en souviens ? Non. Alors, rafraîchis. Tu réfléchis qu'en fait, on discutait toutes les deux, EOH, EMH, et tu m'as dit, non, mais je n'irai jamais, enfin, voilà. Non, je ne changerai pas, je ne repartirai pas d'une EMH. Voilà. Alors, c'est vrai que j'ai interrogé Nathalie, parce qu'on se... Voilà, on est adossé à l'EOH du CHU, donc on fait partie, on a une unité fonctionnelle qui nous est propre, et on fait partie de cette grande équipe, en fait, EOH, EMH. Et puis voilà, j'ai interrogé Nathalie un petit peu sur les perspectives que peut avoir un hygiéniste une fois qu'on a l'impression d'avoir fait le tour, pour être très honnête, un petit peu de l'EHPAD. Et en fait, on en a conclu toutes les deux que quand on avait fait le tour, en fait, on avait toujours envie d'en faire un deuxième, peut-être un troisième, peut-être un quatrième, et qu'on avait beaucoup de mal à décrocher une fois qu'on est attaché à cet environnement. On a beaucoup de mal à s'extraire en fait de l'accompagnement qu'on propose aux équipes. On a un peu, quoi, moi j'ai tendance à dire aux filles, hein, on a un rôle aussi social, c'est-à-dire que vous le dites tous, hein, on s'adresse à des gens qui ont parfois très peu de formation, très peu de bagages en termes d'apprentissage, et le peu qu'on peut leur apporter et l'intérêt qu'on porte à leur travail du quotidien est déjà quand même quelque chose qui les valorise et qui leur donne envie de progresser. Et rien que pour ça, en fait, ça nous donne encore envie de faire un tour. Merci pour ce beau retour, Laure, sur notre métier de MH. Du coup, je me tourne vers Florence et puis Madame Pouzier, vous voulez intervenir. Je voulais juste compléter. C'est vrai que les équipes mobiles, l'important, c'est effectivement une pérennité et que ça fonctionne. Quand on a déployé sur l'Auvergne, les établissements médico-sociaux étaient en attente, parce qu'ils savaient comment ça fonctionnait en Rhône-Alpes et ils attendaient en fait cet accompagnement. Donc en fait, ce bénéfice, il est partagé. Et je comprends en fait que, enfin, je partage votre avis sur la relation que vous nouez avec les établissements sur du long terme. Merci. Et ben du coup, je voulais passer la parole à Florence. Donc, toi, tu coordonnes le réseau Antibio-Est et puis tu es investie aussi au niveau du CEPIAS. Donc, je voulais que tu nous expliques tes missions, comment tu envisages les choses, puisque tu vas t'occuper aussi de coordonner les EMH, que tu nous expliques tout ça et peut-être après en lien avec Madame Pouzet sur ce que vous attendez des EMH et comment vous allez organiser la coordination, même si on a quelques éléments pour Auvergne-Rhône-Alpes. Merci Nathalie. Alors je ne coordonne pas toute seule et je pilote pas le centre régional d'antibiothérapie. Effectivement, j'ai la chance d'avoir un pied dans les deux domaines en étant à 50% sur le... Alors ce n'est pas encore un centre régional d'antibiothérapie, Antibio-Est, puisqu'on est en train de prendre le virage. Pour l'instant, on est une association comme d'autres associations comme Medcal ou d'autres dans d'autres régions. Donc on est actuellement une association qui s'appelle Antibio-Est sur toute la région Grand Est qui va devenir le centre régional d'antibiothérapie, dans lequel je travaille à mi-temps, et puis d'être aussi impliquée en travaillant au CEPIAS Grand Est sur le projet qui a été évoqué par Agnès Gerbeau tout à l'heure. Et donc je pense qu'il y a ça va dans le sens de la stratégie nationale aussi qui a été évoquée ce matin. Tous ces thèmes-là sont très, très liés, et je pense que c'est vraiment important de pouvoir faire le lien entre le bon usage des antibiotiques, l'antibiorésistance, la vaccination, et on a tous très peu de temps, donc d'envoyer des messages lors de formations qu'on peut proposer à des établissements médico-sociaux, EHPAD, comme dans d'autres domaines sanitaires, en même temps et en s'associant les différents acteurs. Donc je pense qu'on a vraiment intérêt à travailler tous ensemble. Et oui, effectivement, je travaille pour Antibio-Est, effectivement, et pour le CEPIAS aussi Grand Est sur le dispositif de MH également. Et alors, ce que je pourrais dire aussi, c'est qu'on a la chance en Grand Est d'avoir du temps dédié au CEPIAS pour coordonner. Alors, il y a eu pas mal de discussions sur quel est le rôle des CEPIAS dans le
dans la coordination des équipes mobiles d'hygiène. On en a évoqué l'année dernière, quand on discutait l'année dernière, quand on travaillait pour le groupe de travail piloté par Loïc, Simon, pour imaginer, proposer des recommandations sur les missions, le temps, le périmètre, les indicateurs des EMH. Et la question de la coordination des CPS a été évoquée. Tous les CPS n'ont pas un temps dédié. Donc nous, on a vraiment la chance, dans Grand Est, de pouvoir avoir un temps partiel, un mi-temps pour ce qui me concerne, et une infirmière à temps plein, Marina Colo, qui est là, et pour pouvoir travailler, co-construire au dispositif qui pour nous démarre, hein, puisque ça fait 18 mois à peu près que ça démarre dans notre région, et pour pouvoir accompagner les EMH qui ont mis du temps à se créer, parce que ça a été évoqué plusieurs fois, il y a un problème de ressources humaines aussi, et donc même si les financements ont été mis en place en 2021, la première équipe, les deux premières équipes ont commencé en janvier 2022 et les deux dernières ont recruté les ressources en septembre 2022. Donc il y a quand même 9 mois pour pouvoir créer ces 7 premières équipes mobiles d'hygiène. Et c'est vrai que c'est un travail que l'on mène depuis maintenant 18 mois, depuis 9 mois avec les premières équipes mobiles d'hygiène. Et alors, Agnès Javot parlait de logo tout à l'heure, ça peut vous paraître anecdotique, mais je trouve que ça fait aussi du lien entre les 16 équipes mobiles d'hygiène qu'il y a dans notre région. Et c'est une initiative d'une des EMH, je parle beaucoup au féminin parce que c'est beaucoup d'infirmières et de médecins et de pharmaciennes. Donc c'est l'initiative d'une des infirmières. Et puis, on a travaillé à ce logo. Nous, CEPIA, c'est les 16 équipes mobiles d'hygiène. On a voté. Et puis ça participe à créer du lien entre les 16 premières équipes mobiles d'hygiène. Il va y en avoir d'autres. Il y en a une 8e qui a été identifiée à Saverne. On espère 2 autres projets à voir se déposer d'ici la fin du mois d'octobre. Donc ça crée du lien, donc un logo aussi, et puis des discussions, des échanges, des groupes de travail qui se créent entre les 7 équipes. Donc il y a un travail entre nous, CEPIAS et les EMH, on se réunit tous les mois, et puis il y a aussi des liens qui se font entre les EMH entre elles, puisque les distances sont parfois lointaines, entre Reims et Mulhouse, et voilà, donc il me semble que la coordination, nous on a du temps pour travailler avec elles, et c'est bien aussi d'avoir des connexions entre elles, et tout ça permet d'avancer, de construire des outils, de travailler ensemble et d'avancer ensemble. Et sans vouloir déflorer les sujets qui vont être discutés après, il me semble que les EMH ont aussi, ça a déjà été dit, vocation à travailler aussi avec les EMA, les équipes multidisciplinaires en antibiothérapie. Alors pour nous, ça démarre, et les EMH, moi ce qui me rassure, c'est de voir que les choses avancent en marchant. Ça fait 15 années pratiquement en Auvergne-Rhône-Alpes que le dispositif ça grandit, donc nous on est vraiment au démarrage, et les EMH sont au démarrage en Grand Est, les EMA encore plus, on aura peut-être une première EMA d'ici la fin de l'année, voilà, donc les choses avancent en marchant, mais je pense qu'on a intérêt à marcher ensemble. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, oui, bien, tu as bien répondu, et c'est vrai que cette volonté, je sais qu'il y a d'autres EMH hein, dans la salle, de travailler ensemble, que tu soulignes par la création de ce logo, je trouve que c'est vrai que ça m'a surpris au départ, mais en fait, oui, il faut créer du lien entre les EMH. Je sais que nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a une journée où on se retrouve tous, on présente nos bilans, et puis on parle de sujets, on projette des groupes de travail, et puis on a besoin d'avoir du lien entre nous. Et personnellement, c'est une vraie particularité du fonctionnement des EMH. La preuve, on a une journée nationale. C'est incroyable, ça. Merci. Il reste 5 minutes, Madame Pouzet. Par rapport au CEPIAS, je voulais que vous reprécisiez les choses en termes d'organisation. Qui fait quoi ? Pour notre région ? Toutes les deux, avec Florence. Qui fait quoi ? Comment vous allez coordonner Eh bien, si vous voulez. J'arrive. On est très intriqués, les ARS, mais enfin, de là à parler. Voilà, sous réserve de ce que les collègues du CEPIAS en diraient, mais hein, on est ensemble en fait pour porter ce sujet-là, ARS et CEPIAS. Il est important pour nous, du point de vue ARS, d'avoir un acteur régional comme ça qui a les compétences et qui a le vocabulaire, qui s'est entré en relation, qui s'est monté les projets. Je l'ai dit tout à l'heure, on a une gouvernance spécifique qui est de fait qu'on copilote, on va dire, avec le CEPIAS, que ce soit le comité de pilotage ARS-CEPIAS, que ce soit les comités techniques ou les
les acteurs techniques du CEPIAS et de l'ARS se préparent les différents éléments, accompagnent le projet, ou que ce soit le comité de suivi et de coordination qui associe par exemple les hygiénistes des CHU ou d'autres compétences ressources. C'est un projet que je considère que nous pilotons ensemble, même si effectivement il y a un moment où l'ARS donne la direction, où elle étaye le CEPIAS pour agir, où elle déploie des financements si elle en a, mais c'est vraiment main dans la main en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, ma question, c'était plus, effectivement, vous avez des rôles et des missions qui sont quand même différentes. Il y a l'aspect finance, il y a que les CEPIAS sont peut-être plus dans l'accompagnement des EMH, l'organisation, le groupe de travail. Peut-être, Madame Pouzet, vous voulez dire quelques mots par rapport à ça? Je pense que par rapport au secteur médico-social, le CEPIAS a déjà un annuaire régional à sa feuille de route lui-même sur ses activités. Mais par rapport aux équipes mobiles d'hygiène, il apporte son expertise, et cette expertise-là, elle est nécessaire tant pour les établissements que pour nous, agences. Et ça ne crée pas de concurrence en termes de... C'est un partenariat, en fait, qui se développe, et on a chacun nos attributions. Et ce qui est intéressant, ce qui a été évoqué, c'est la journée régionale de MH qui a lieu en fin d'année. Elle est intéressante parce qu'il y a des échanges, ça se mélange. Et dès la première année, ça s'est mélangé entre les deux ex-régions. Et pour les directeurs d'établissement, que nous connaissons via nos directions de l'autonomie, ben, on est contents qu'ils soient accompagnés sur un secteur qui n'est pas leur cœur de métier. Ils sont là pour prendre en charge des résidents, des personnes accompagnées sur le secteur handicap. Ce sont des lieux de vie. Leurs responsabilités sont importantes. La crise Covid a été gérée sur le tas avec les moyens que chacun a pu avoir. Ça s'est organisé progressivement, ça s'est structuré. Ça a créé du lien, ça a créé aussi des incertitudes, et ça a permis aussi de remobiliser les ressources qu'il y a de part et d'autre. Et donc cette expertise EMH et cet appui du CEPIAS, ben je pense qu'il faut qu'il continue son parcours, en fait. Et que les ARS puissent accompagner comme elles le peuvent et avec les moyens financiers qui sont disponibles pour nous. Ça sent que c'est aussi une contrainte au niveau de chaque agence. Sachant que pour nous qui sommes du terrain, en fait, c'est important aussi d'avoir le CEPIAS quand on est en difficulté. Eh bien, on se tourne vers le CEPIAS. Donc c'est important également de les avoir également pour coordonner les travaux. C'est vrai que, par exemple, nos indicateurs, c'est le CEPIAS qui a une base de données qui on voit. Et puis nous, si on a des corrections, on peut faire les corrections par derrière parce qu'on a une connaissance plus fine de nos annuaires, en fait. Et donc, c'est vrai que les rôles sont bien identifiés et je pense qu'ils sont bien repérés sur le terrain, que ce soit par les EMH, par les CEPIAS et par les ARS. Voilà. Je vous remercie, mesdames. Loïc regrettait Merci. Qu'il n'y ait pas un Merci. Monsieur, mais nous avons Loïc. Hein? Ben, j'enchaîne. Oui. Pardon. Bon, bah du coup, j'enchaîne, j'ai deux micros. Tu sais ça tellement bien. J'enchaîne avec un tout autre sujet qui va faire le lien avec la suite de notre journée.
Et je vais vous présenter les résultats. Alors, on n'a pas la totalité des résultats. Ça n'a pas été aussi rapide qu'on aurait souhaité dans le rendu de ces résultats. Mais j'ai quand même des choses intéressantes à vous dire sur cette enquête de prévention et contrôle des infections et de bon usage des antibiotiques. Alors, depuis ce matin, vous entendez parler PCI, BUA. Je continue. Donc, PCI pour prévention et contrôle des infections, BUA, bon usage des antibiotiques. Donc je parle au nom du Ginger. Le Ginger, c'est un intergroupe de deux sociétés savantes, la Société française d'infectiologie et la Société française de gériatrie. Cet intergroupe, il s'est monté sur une volonté commune de travailler ensemble, des infectiologues et des gériatres. Donc cette enquête, elle n'est pas arrivée comme ça. Effectivement, alors ce groupe, hein, il a pour volonté d'assurer la promotion et la coordination de travaux scientifiques autour des personnes âgées, quel que soit leur secteur de prise en charge. Donc à un moment donné, vous l'avez bien vu, on a eu la crise Covid, et ça a été vraiment le déclencheur de cette enquête. Puisque au moment de la crise Covid, eh bien, on a demandé aux équipes de gériatres et d'infectiologues d'élaborer des protocoles, et il y a eu également mise en place d'équipes renforcées, parce qu'il n'y avait pas que les équipes mobiles d'hygiène, il y a eu aussi des infectiologues, des hotlines qui sont mises en place, et que ce soit en infectiologie et avec beaucoup plus d'historique au niveau des équipes mobiles de gériatrie. Et ils se sont rendus compte, en fait, qu'ils avaient une forte méconnaissance du monde des EHPAD. Et ils ont voulu pérenniser les actions qu'ils avaient mises en place lors de cette crise Covid et de mieux connaître ces établissements. Du coup, la résultante, c'est cette enquête pilotée par Pauline Caropaz, qui est là au milieu. En 2021, l'objectif, c'était de décrire les pratiques et les besoins en lien avec l'infectiologie dans les EHPAD. Et cette enquête pilote devait être présentée lors d'une journée du Ginger en décembre l'année dernière. Donc les objectifs de cette enquête pilote, hein, c'était vraiment d'évaluer les besoins des établissements et des médecins en matière d'infectiologie. Donc c'était un questionnaire en ligne qui s'est déroulé entre novembre 2021 et janvier 2022. La diffusion a été assez restreinte, hein, vous le verrez, par les membres du Ginger et de la Société française de gériatrie gérontologie. Elle s'adressait aux médecins intervenant dans les EHPAD, des gériatres, des médecins co. Et on avait trois volets de questions avec des données générales. Une optimisation opérationnelle qui interviewait plus les médecins coordonnateurs et une optimisation diagnostique et thérapeutique qui touchait la totalité des médecins et qui était plus tournée vers l'antibiotique, en fait. Alors, vous voyez cette carte, hein, qui donne la répartition des répondeurs ciblés sur le positionnement des membres du Ginger. On avait eu peu de réponses en dehors d'un investissement personnel fort. Des données générales donc étaient à compléter. Et puis en termes d'optimisation opérationnelle, eh bien, on se rendait compte que face à l'aide au diagnostic infectieux, la différenciation de colonisation d'infection ou l'organisation de campagnes de vaccination, qui étaient des questions qui étaient posées aux médecins, ils disaient qu'ils n'avaient pas besoin d'un infectiologue. Peut-être ils auraient besoin d'un infectiologue pour les aider à gérer une épidémie ou pour faciliter les transferts de résidents. Ce qui est sûr, c'est qu'ils avaient besoin d'avis ciblés thérapeutiques avec des préoccupations fortes de consommation d'antibiotiques et de risques liés aux bactéries multirésistantes. Ensuite, on s'apercevait, au décours des résultats de cette première enquête, que les pratiques de bon usage des BU, c'est aussi bandelette urinaire, de pratiques de réalisation de bandelettes urinaires et de CBU étaient à re-explorer. En termes d'optimisation diagnostique, on était sur un audit ciblé de prescription, comme je vous ai dit.
Donc en fait, à l'issue des conclusions de cette première enquête, bon, on s'est dit il faut élargir, il faut se servir des conclusions de cette première enquête pour en bâtir une autre. Et donc la résultante de tout ça, ça a été la création au sein du Ginger d'un groupe EHPAD, avec une ouverture aux hygiénistes et aux paramédicaux, et la réalisation de cette enquête dont je vous présente les résultats. Alors l'objectif de cette enquête, c'était d'établir un état des lieux des collaborations entre infectiologues, hygiénistes et gériatres avec les médecins coordonnateurs et les infirmières coordinatrices des EHPAD. C'était nouveau d'impliquer ces infirmières coordinatrices. Et on souhaitait s'assurer du repérage des hotlines des équipes mobiles et de mesurer la sollicitation de ces dispositifs d'appui. Notre objectif était de définir les besoins des équipes de coordination en matière de PCI-BUA et de proposer des pistes de réflexion dans le contexte de mise en place nationale des EMA, équipes multidisciplinaires en antibiothérapie, et des EMH. La population cible, donc, elle a un petit peu bougé, médecins co, médecins intervenants en EHPAD et les IDEC. Les méthodes, donc, c'était de la même façon, une enquête déclarative avec la diffusion d'un questionnaire en ligne. Et là, on a été largement soutenu, notamment par la mission Primo, qui est diffusée au niveau national avec des rappels. Mais les CRATB s'y sont mis, les CEPIAS nous ont relayé également le questionnaire, la Société française d'hygiène hospitalière. Et puis, on a été dans les réseaux sociaux, on a essayé d'être moderne. Donc, en termes de participation, vous voyez le flowchart, on est à presque 600 répondants. On a gardé 535 réponses. On a dû en éliminer qui n'étaient pas correctes. Et vous voyez une meilleure couverture du territoire, ben justement parce qu'on a pu balayer beaucoup mieux le territoire du fait de la diffusion du questionnaire. Alors, j'avoue que les territoires insulaires pas tant répondu que ça. Alors, dans les résultats, je vous montre la répartition des répondants. Vous voyez que pour les établissements reliés à un centre hospitalier, on est à peu près à un quart des répondants. Tout le reste, ce sont des répondants qui appartiennent à des EHPAD non reliés. Et en termes de statut, eh bien, on a une bonne répartition tout de même par rapport aux établissements publics, un peu moins de la moitié des répondants, et l'autre moitié, ce sont les EHPAD associatifs ou privés. Alors, si on regarde un petit peu plus finement la répartition au sein des établissements liés à un établissement de santé, le statut d'appartenance de ces professionnels, eh bien, c'est également intéressant de voir que les EHPAD reliés à un centre hospitalier ne sont pas tous publics, mais on trouve des établissements associatifs et privés, même si là, attention, je parle de professionnels et de représentation de professionnels dans un établissement. Et si on regarde ces établissements qui ne sont pas reliés à un centre hospitalier, on est sur un tiers, privé, public, associatif. Alors le profil des répondants, bah, vous voyez, les IDEC, elles se sont largement saisies de cette enquête, hein, puisque c'est un tout petit peu plus de la moitié des participants, les médecins co, à presque 40%, et des médecins traitants. Alors, je fais une petite carte d'identité de ces répondants. C'est intéressant. Les IDEC, la moyenne d'âge en dessous de 45 ans, avec une répartition de 1957, date de naissance, à 1999. Elles sont plutôt à temps plein et surtout dans les établissements reliés à un CH, avec une répartition équivalente de ces IDEC dans les trois secteurs d'activité. Il n'y avait pas... au regard comme ça, descriptif, il n'y avait pas de différence, ça reste à conforter par une analyse beaucoup plus fine. Les médecins, c'est pas tout à fait pareil pour les médecins coordonnateurs, la moyenne d'âge est de 56 ans, avec une amplitude de date de naissance de 1943 à 1993. Pour les médecins traitants intervenant dans ces établissements, eh bien, on est un peu sur le même profil que celui des infirmières coordinatrices. Ces médecins, ils travaillent pour plus de 40%, enfin, presque 40% des répondeurs dans plusieurs établissements. Et c'est plutôt des médecins co qui travaillent dans plusieurs établissements, entre 2,5 et 2,8 établissements
en moyenne. Et c'est plutôt dans des EHPAD qui ne sont pas reliés à un centre hospitalier. La répartition de ces médecins, elle n'était pas uniforme selon les différents secteurs. Et on trouvait plus de ce qu'on a qualifié de médecins traitants dans le secteur public, près des deux tiers, parce qu'en fait, je pense que ce sont des médecins qui interviennent dans des centres hospitaliers, en fait, où il y a des EHPAD, parce qu'il y a des centres hospitaliers qui sont tenus par des médecins et des médecins de ville. Donc, je pense qu'on a ciblé, en fait, ce type de médecins. Alors, en termes de moyens, on rentre dans le vif du sujet. Quand on leur a demandé s'ils disposaient de hotline, ben vous voyez les réponses. Infectiologie, on est un petit peu en dessous de 35%, hygiène 60%, gériatrie 55%. Et le diagramme en dessous présente le nombre de sollicitations, la façon dont ils sollicitaient ces équipes. Donc en bleu, vous avez les réponses pour les hotlines infectiologiques, en orange pour l'hygiène, et en gris, oui, vous avez les mêmes couleurs que moi, en gris, ça correspond à la sollicitation en gériatrie. Donc autant c'est plus difficile au niveau de l'infectiologie, mais c'est normal, en même temps ils n'ont pas forcément de hotline, donc ils connaissent moins et ils sollicitent moins. Alors ces hotlines, elles sont mieux représentées quand l'EHPAD est relié à un centre hospitalier. En termes d'infectiologie, vous voyez qu'il y a plus d'EHPAD qui bénéficient de hotline en infectiologie quand ils sont reliés à un centre hospitalier. C'est pareil pour l'hygiène. Hein, et que, du coup, ce que je vous disais, plus on a accès à ces hotlines, plus on les a identifiés, plus on va les solliciter. Et ces hotlines étaient mieux interrogées dans les EHPAD associatifs et les EHPAD publics. En termes d'équipe mobile d'hygiène, vous voyez que l'infectiologie est quand même le parent pauvre, hein, à 10,7%. Hygiène, on est bien positionné, gériatrie aussi. Et du coup, on retrouve les mêmes choses en termes de sollicitation. Quand on a une équipe mobile, on la sollicite. Et une petite différence encore avec les EHPAD reliés à un centre hospitalier. Dans les EHPAD reliés à un centre hospitalier, on a plus d'équipes mobiles d'infectiologie, hein, même si ça reste léger en termes de différence. L'hygiène y est bien mieux représentée et du coup elles sont régulièrement sollicitées. Et j'ai pu constater en épluchant ces résultats que les IDEC étaient très au courant de la présence des équipes mobiles et des équipes mobiles d'hygiène. Donc, en termes de moyens, toujours, et de prescripteurs, il y a moins de prescripteurs dans les EHPAD reliés à un centre hospitalier. Et on est entre 5 et 15 pour les EHPAD qui ne sont pas reliés. En termes de PUI et de présence d'infirmières la nuit, on a une meilleure représentation dans les EHPAD reliés à un centre hospitalier, même si vous voyez, ce n'est pas énorme, mais ça correspond aussi à la typologie des établissements qu'on avait identifiés. Les prescriptions sont bien identifiées, bien informatisées, pardon. Il y a des protocoles de prescription en antibiothérapie sur les structures. On en trouve beaucoup dans les établissements privés. Et puis, les médecins, ils sont impliqués dans cette prescription antibiotique. Ils ont besoin d'un outil, ils le disent. Voilà, 71% qui souhaitent un outil numérique d'aide à la prescription. Et autant les établissements publics qui ont plus une PUI ou qui ont plus accès à ces équipes mobiles d'infectiologie, ils ressentent beaucoup moins la nécessité d'avoir un outil numérique d'aide à la prescription. Donc tout ça, ça demande des confirmations analytiques. Alors, on interrogeait les médecins sur leur souhait de collaboration avec les infectiologues. Donc, il y avait deux types de questions, des avis et des situations d'aide. Donc, en termes d'avis, on avait juste interrogé les médecins et les situations, on interrogeait aussi les IDEC.
Donc, ils souhaitent des avis, donc des aides à la prescription des antibiotiques pour les BMR, BHRE, les plaies chroniques, le matériel prothétique et les infections urinaires récidivantes. Et à noter des petites différences comme ça en fonction de la catégorie d'établissement où eh bien, on voyait que le matériel prothétique et les infections sur dispositifs invasifs étaient des questionnements beaucoup plus importants sur les professionnels travaillant dans des centres hospitaliers reliés, dans des EHPAD reliés à un centre hospitalier, excusez-moi. Dans les situations où il requérait l'aide d'un infectiologue, donc c'était pour le transfert d'un patient résident vers l'hôpital et l'aide à la gestion des épidémies. Donc là, on sent encore l'influence du Covid. Et tout ça, c'est bien avant la réévaluation de l'antibiothérapie au long cours et la mise en place des BMR, BHR. Donc on sent qu'on a besoin d'une aide ponctuelle, d'un avis sur la prescription antibiotique. Et les mesures, elles vont aller ailleurs. Donc ils ont quand même identifié le ailleurs, c'est les EMH, on le voit après. Donc les modalités, on est sur des réponses médicales, et vous verrez que ce n'est pas les mêmes que les réponses des infirmières. Les médecins sont sur des échanges téléphoniques, des mails ou sur place. Donc en termes de prévention, contrôle des infections, bien, on est attendu, nous, les EMH, sur la gestion des épidémies et puis la mise en place des mesures complémentaires BMR, BHR, mais arrive quand même en troisième position, on l'a évoqué, la formation des professionnels. Alors pour moi, c'était un peu une surprise parce que quand même, ça fait partie d'un gros temps de travail, cette formation des professionnels. Mais il faut savoir quand même que ça apparaissait en deuxième position dans les réponses des infirmières coordinatrices. Et ces infirmières coordinatrices, je vous disais, elles nous ont bien identifiées et elles nous sollicitent beaucoup plus que les médecins. Les modalités, ben, c'est un petit peu pareil. Les modalités, les souhaits d'intervention, c'est échange téléphonique, mais à même niveau que sur place, parce que les infirmières veulent vraiment la présence d'équipes mobiles d'hygiène sur place. Voilà, donc un petit delta entre les attentes des médecins et des infirmières en fonction de la catégorie professionnelle. En termes de formation, eh ben pareil, on retrouve la même tendance sur place pour les infirmières co, plutôt par mail pour les médecins, et une tendance montante vers l'e-learning, mais c'est du deuxième choix. Alors, en ce qui concerne les attitudes face aux bandelettes urinaires et à la réalisation des ECBU, ben c'est bien, on a un peu du travail, hein, puisqu'on a 15% des répondeurs qui déclarent finalement que les BU ne sont jamais faites sur prescription. Et vous voyez qu'on a aussi une marge concernant la prescription des ECBU. On a un petit peu du travail les uns les autres par rapport à ça. Donc le diagramme en bleu, ce sont les bandelettes urinaires et en orange, les ECBU. La légende en dessous, c'est jamais, une fois par an, une fois par trimestre, une fois par mois, une fois par semaine, et ne sait pas. Donc voilà, on a du travail, du pain sur la planche. Quant à la mise en œuvre des recommandations et les pratiques sur le terrain. Concernant un sujet qui nous tient à cœur, hein, la réévaluation des antibiothérapies à 48-72 heures, si on regarde donc le premier schéma qui est plus vers moi, entre le souvent et le systématique, on est à peu près à 50%. Bah, c'est bien, parce que là aussi, on va pouvoir travailler, mettre en place des choses. Et du coup, comme on interviewait les infirmières coordinatrices, eh bien, on les a sollicitées par rapport à la perception de leur rôle dans la réévaluation de ces antibiothérapies. Et vous voyez les réponses, puisque cette question s'adressait à tout le monde. Donc, on a le point de vue des médecins traitants en gris, des médecins co en orange et des infirmières coordinatrices en bleu. Et on voit qu'elles sont vraiment très impliquées dans cette réévaluation des antibiotiques et qu'on pourrait imaginer leur confier des choses à faire, tant dans la surveillance clinique où là, elles sont complètement à fond, hein, 85%, la traçabilité retour médecin et la transmission des résultats de biologie. Alors un petit focus également sur les médecins coordonnateurs, un peu plus de la moitié a accès à ces données de consommation.
Et puis, au niveau de leur rapport d'activité médicale annuel, ce qu'on appelle le RAMA, eh bien, on les interrogeait sur leur fréquence de rendu, sachant que ce rapport d'activité médicale, il est obligatoire. Eh bien, il était mieux rendu dans le privé, après arriver le public et enfin l'associatif. Qu'est-ce qu'ils mettent dans ce rapport d'activité médicale? Ils répondent bien à la couverture vaccinale de la grippe des résidents. Ils répondent bien sur leurs épidémies. Hein, ce sont des choses qu'ils vont mentionner. La couverture vaccinale grippe professionnelle. Et puis, leur point d'intérêt qu'on retrouvait dans les questionnaires sur les BMR, BHRE et les bilans de leurs infections. En conclusion, eh bien, c'est vrai qu'on a mis les moyens, entre guillemets, hein, pour avoir une bonne couverture territoriale des répondants. Et ben, les répondants, ils ont bien joué le jeu. Donc, merci à tous ceux qui ont répondu, avec une bonne représentativité des établissements selon les catégories et les statuts. On avait quelques limites méthodologiques avec un biais de recrutement, puisque en fait, on a fait une cartographie des profils de répondants et pas une cartographie des établissements, puisqu'on pouvait avoir plusieurs réponses pour un seul EHPAD. Et également le fait de vous présenter aujourd'hui des données descriptives qui sont en attente de confirmation analytique. Donc on note et on souligne les demandes et les implications des IDEC, hein, et certainement on apprendra beaucoup de choses avec d'autres études qui sont faites dans la région Est, auprès des IDEC et coordonnées par une doctorante infirmière. Donc on attend avec impatience les résultats de cette enquête. Dire également que bah, quand les dispositifs, que ce soit des hotlines ou des équipes mobiles, existent, eh bien, elles sont sollicitées. Également, on veut dire qu'à travers ces deux enquêtes, et là c'est le retour d'une hygiéniste, que je fais, c'est qu'on a un delta entre les attentes des infectiologues et des médecins, qui sont également le reflet de la non-imprégnation des EHPAD en infectiologie, quelque chose qu'on a pu sentir en hygiène quand on est arrivé, mais également le reflet du besoin de s'adapter au contexte des EHPAD. Donc en fait, moi je dirais que ce serait bien pour le montage de ces équipes multidisciplinaires en antibiothérapie de s'appuyer sur l'expérience existante des EMH. Merci beaucoup, Nathalie. Des questions pour Nathalie ? Elle a fait une transition formidable vers les EMA. Non ? Si ? Ah. Bonjour à tous. Merci Nathalie pour cette présentation très claire. Je suis Sylvie Davidian, je suis praticien hygiéniste. Je suis l'exception de la Bourgogne-Franche-Comté qu'Isabelle Rousseau présentait tout à l'heure. Donc je travaille sur les équipes mobiles d'hygiène au niveau de la Bourgogne-Franche-Comté. Et en fait, il y a un résultat qui a attiré mon attention concernant les IDEC disent qu'elles préfèrent en fait que les interventions qu'il y ait des interventions sur place, pardon, des oui. hygiénistes. Et c'est vrai qu'en Bourgogne-Franche-Comté, en fait, ce qui a été mis en place au niveau des EMH conforte un petit peu ça. C'est que nos OMH, nos infirmières interviennent, donc un équivalent temps plein intervient sur 13 établissements médico-sociaux et elles doivent faire 9 journées d'intervention sur site. Donc ça conforte un petit peu le dispositif qui est mis en place sur notre territoire, puisqu'on va en direct et on va sur les EHPAD systématiquement sur toute l'année. Voilà. C'était juste une remarque. Ben écoute, oui, je te remercie. C'est vrai qu'on le porte en nous, hein, équipe mobile d'hygiène. Donc, c'est vrai que ne pas être sur place, c'est un non-sens, en fait. Voilà. Okay. Merci, Nathalie. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Il y en a un peu en retard. Donc, la présentation suivante à 2 voix, 10 minutes chacune. En pratique, Hélène Cormier et Clément Leger de Angers. Et puis Christine Godin-Benheim de la DGS ensuite. Salut, ça va ?
Bonjour tout le monde. Eh bien, merci aux organisateurs de nous donner l'occasion de vous présenter un petit peu un exemple d'interaction pratique qu'on a pu trouver entre EMA et EMH dans notre région. Donc là, je viens au titre de l'EMH Angelin. C'est l'EMH qui est supporté par le CHU d'Angers. Une EMH qui est composée alors d'un équivalent temps plein infirmier, de 20% de temps PH et d'un mi-temps secrétariat pour 50 établissements, EHPAD, FAMAS. Pour vous donner un ordre d'idée un petit peu aussi chez nous, comment ça peut fonctionner. Et malgré ça, on a trouvé un petit peu de temps quand même pour travailler avec notre EMA sur un sujet en particulier qu'on va vous présenter. Donc bonjour, Hélène Cormier, j'interviens donc au titre de l'EMA 49 Maine-et-Loire, l'établissement support, c'est le CHU d'Angers. Et juste pour une brève aparté au départ, pour resituer un petit peu ce qu'est une EMA, puisque finalement c'est une structure qui est en train de se mettre en place, hein, on le disait, dans les régions sous l'égide des ARS et des CRATB. Donc suite à la parution de l'instruction, hein, sur la mission antibiorésistance le 15 mai 2020. Le paysage et les acteurs de la lutte contre l'antibiorésistance ont été redéfinis et positionnent vraiment dans les territoires ces équipes multidisciplinaires d'antibiothérapie pour lesquelles le périmètre d'action défini est demandé à minima le GHT. Donc vous voyez, ça couvre vraiment un territoire assez étendu dans le périmètre ville, établissements médico-sociaux, établissements sanitaires, donc un champ d'action dans le bon usage qui est important. Et il est demandé à ces EMA d'avoir à la fois des missions cliniques sur les activités de conseil et de consultation, en gros le conseil en antibiothérapie, que les équipes d'infectiologues au niveau des établissements support portaient déjà beaucoup, mais là c'est vraiment de le formaliser, de pouvoir le quantifier, le mettre en valeur, parce que c'est vraiment une partie de notre mission d'infectiologue qui est pas du tout, qui est très chronophage, qui est pas négligée, qui n'était pas du tout valorisée en termes de postes. Donc maintenant au sein des EMA on a cette vitrine, et puis une partie donc mission stratégique aussi. Là il va falloir que nous, infectiologues, on s'empare de ce sujet pour travailler sur des projets de bon usage dans les trois secteurs de soins et puis évaluer un petit peu le résultat de nos actions. Au travers de l'instruction, il est demandé que ces EMA soient composés à minima d'un infectiologue, un pharmacien, un microbiologiste et un infirmier formé à l'antibiothérapie, mais voilà, il reste une marge de manœuvre et une liberté sur la composition de ces équipes et les ETP. Actuellement, sur les EMA, on est dans une certaine continuité. On arrive surtout à assurer les missions cliniques dans celles qui sont en cours de construction. Pour le stratégique, c'est quand même assez compliqué au vu des ressources RH actuelles. Et donc, pour terminer un petit peu et rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, cet algorithme qui fait partie de la fiche réflexe de l'instruction et qui illustre bien l'importance de la synergie avec donc les hygiénistes, parce qu'on dans la lutte contre l'antibiorésistance, il sera tout à fait logique qu'on puisse travailler PCI et BUA sur une même dynamique, et que c'est la construction de ces EMA se fasse en lien étroit avec les EOH dans les établissements et les EMH sur les territoires. Vous voyez aussi que dans cet algorithme, la coordination de ces EMA sera donc assurée par les CRATB qui, de la même façon, travailleront en synergie avec les CEPIAS, sur lesquels actuellement on s'appuie beaucoup en termes de modèles pour voir un petit peu définir le réseau et nos actions, puisque vous avez une expérience sur le secteur particulier médico-social qui est beaucoup plus importante que nous, infectiologues. Donc, c'est vrai que nous, au titre de l'EMH, qui avait déjà un existant peut-être un petit peu plus ancien, on avait eu l'occasion de se solliciter, alors on n'appelait pas ça l'EMA encore immédiatement, mais nos infectiologues sur des actions de territoire, notamment on les invitait sur des actions de promotion de la vaccination, de sensibilisation avant les épidémies hivernales, où c'est vrai qu'un topo réalisé par un infectiologue sur ce sujet-là aussi auprès des EMS pouvait, on le supposait, avoir un petit peu plus d'impact, et ils étaient assez partenaires de ça. Ça nous arrivait aussi de les solliciter, alors plutôt nous directement, l'EMH, ou en tout cas transmettre leurs coordonnées à des médecins co-éventuellement sur des situations d'épidémie,
notamment pour avoir des avis sur l'utilisation des antiviraux dans les épidémies de grippe, des actions comme ça, ou effectivement, comme on l'a dit, et ça ressortait un petit peu dans l'enquête qui a été présentée précédemment, sur tout ce qui est BMR, BHR, c'est vrai que là, avoir les deux avis, un avis sur la gestion du résident, les pratiques autour du résident, etc., mais aussi parfois les médecins co ou médecins traitants qui a besoin d'avoir un avis aussi sur est-ce que je dois prendre en compte cette BMR dès qu'ils toussent ou dès qu'un ECBU est envoyé. Effectivement, avoir là la collaboration de l'EMA sur ces sujets-là était déjà précieux. Et là, il y avait déjà des liens qui étaient un peu tissés de manière finalement assez informelle, mais qui probablement vont être amenés à évoluer. Et sur des journées de prévention du risque infectieux BUA, de plus en plus, là maintenant, on fait de la co-animation sur, dans les pays de la Loire, hein, sur les épidémies hivernales, des choses comme ça. On va animer des journées régionales. On va laisser un temps aussi CRATB ou EMA pour présenter des sujets bon usage des antibiotiques, essayer de fonctionner un petit peu sur les deux. Donc on est vraiment là, c'était les débuts se sont construits un petit peu de cette manière-là, où on avait un peu quelque chose de gagnant-gagnant, où ça permettait aux EMA d'intégrer un petit peu ce milieu médico-social, et pour nous d'avoir une expertise supplémentaire sur toutes nos thématiques de prévention de l'infection. Et sur la thématique d'aujourd'hui, donc les liens EMA-EMH, pour l'illustrer, on a en Pays de Loire cet exemple concret de ce projet qui se monte maintenant depuis près d'une année, qu'on a appelé Anti-BEPAD et qui est un projet de bon usage des antibiotiques, donc en EHPAD comme son nom l'indique, ciblé vraiment surtout sur les messages dans les infections urinaires et en particulier les notions de colonisation et de non-indication d'antibiothérapie dans certaines situations. Donc très rapidement, en schématisant, on peut découper un petit peu notre projet en quatre étapes. Il y a eu d'abord, évidemment, une étape de communication en 2021. Bon, c'est un projet qu'on avait réfléchi depuis un certain nombre d'années, mais le Covid a un petit peu retardé son déploiement et sa mise en place. Donc, dès qu'on a senti qu'on pouvait, qu'il y avait un peu d'air, on s'est engouffré, on a démarré le projet et on a communiqué dessus en 2021. Là, sur cet aspect communication, dans la mesure où EMA, ça parlait à peu près, je pense, à personne à l'époque, il était important de pouvoir, nous, s'appuyer sur un réseau bien identifié. Et on a eu vraiment un appui sur la communication de la part du CEPIAS Pays de Loire et des EMH sur les territoires qui a été vraiment très intéressant. Ouais, je pense qu'ils pouvaient, enfin, là où on aidait, la valeur ajoutée des EMH aussi, alors on avait participé aussi à la co-construction du projet en termes de pertinence, d'outils. Et là, l'EMH, le vrai plus pour les EMA, c'est qu'on connaît un petit peu les interlocuteurs dans nos établissements. C'est-à-dire qu'effectivement, envoyer un mail général à tous les directeurs d'EHPAD de votre région, le résultat, parfois, est un petit peu décevant, alors que si on cible tel IDEC qui est déjà intéressé, tel correspondant dans l'établissement, tel médecin co qui couvre plusieurs établissements, parfois, on a comme ça les personnes ressources qui vont pouvoir vraiment aider à démarrer le projet très concrètement dans les établissements. Donc, c'est vrai que là, on avait pu aider l'EMA là-dessus, sur cet aspect-là du projet, sur aussi cibler les bonnes personnes. Suite à cette communication, on avait une première partie de ce projet qui était des formations présentielles à laquelle on convient. En fait, on a demandé à chaque établissement participant de désigner un binôme leader. Il nous semblait très important qu'on puisse associer aussi le personnel paramédical au message. Donc on avait un binôme, il était proposé de convier un binôme infirmier-médecin à cette formation présentielle, donc qui a eu lieu dans chacun des territoires des EMA, c'est-à-dire pour les Pays de Loire, dans 5 GHT à l'automne dernier. Et de la même façon, on s'est à nouveau appuyé sur ce que propose les EMH en région et ces formations hivernales qui sont proposées à tous les ans à l'automne. Oui, du coup, ouais. En Pays de la Loire, on a 10 EMH et on a une coordination, une coordination, on peut dire, ouais, c'est souple, mais c'est vrai qu'on travaille en étroite collaboration avec notre CEPIAS. On a, par exemple, là, pendant le Covid, on avait une visioconférence hebdomadaire. Toutes les semaines, les 10 EMH et le CEPIAS se réunissaient en visio pendant au moins une heure, plutôt deux heures, pour discuter stratégie, essayer d'harmoniser un petit peu les mises en place, faire remonter les différents problèmes et en échanger assez librement. Et encore aujourd'hui, c'est un dispositif qui subsiste. Tous les 15 jours, on se réunit, les 10 EMH et le CEPIAS, pour parler
d'un petit peu tout, alors soit de l'actualité des situations plus aiguës, soit un petit peu plus stratégie aussi. Et notamment, il y a quelque chose qui est assez ancré dans notre région, c'est vrai que c'est ces temps de formation animés par les 10 EMH dans chacun des départements sur la préparation aux épidémies hivernales, donc, qui ont lieu en ce moment, hein, par exemple, là, c'est autour de octobre-novembre. Donc le CEPIAS propose son support, notamment. On avait réalisé l'année dernière un vrai déroulé de cas cliniques qui avait été proposé par le CEPIAS en construction avec des groupes de travail animés par les EMH. Et on avait décidé de monter ça sur un format, encore une fois, PRI-BUA, où finalement, comme cet aspect pédagogique de cas clinique se prêtait assez bien à la formation des leaders, on leur a proposé de se greffer à notre formation hivernale, qui permet d'attirer des IDEC, des MEDCO, parfois quelques directeurs aussi. Et finalement, on avait une journée avec une certaine continuité en termes d'aspect pédagogique, avec deux types de formations, une formation plutôt bon usage antibiotique, et une autre vraiment très axée sur gestion des épidémies hivernales, enfin prévention puis gestion. Et puis ensuite, on est sur cette étape, la troisième, là, qui est pas la moindre. C'est vrai qu'une fois qu'on a fait tout ça, il faut pérenniser les choses et suivre, accompagner les leaders et les EHPAD qui se sont engagés sur le projet. On voit que c'est pas forcément toujours très simple, que même si au départ on a eu des très bonnes accroches au cours des formations sur un projet qui semblait intéresser, le soufflet retombe un peu après. Il y a les problématiques autres, loin de l'antibiothérapie évidemment, qui rattrapent les professionnels. Donc on est vraiment là sur une réflexion d'accompagnement. L'idée c'est vraiment de mener ce projet pas dans le cadre d'une étude où on regarde un an après ce qui se passe, mais vraiment d'aller sur des années d'accompagnement sur ces messages et sur le territoire des établissements médico-sociaux. Donc voilà, on essaie d'entretenir à travers la page web qui a été créée à l'occasion de ce projet, de relancer par mail, etc. Mais je pense que sur ces aspects-là, rien ne vaut le déplacement sur le terrain et sur des petites équipes EMA, CRATB, on ne pourra pas. Donc c'est là que aussi nos partenaires EMH vont être très importants pour nous. Oui, c'est vraiment ça, c'est l'aspect déplacement sur site. Où, du coup, nous, typiquement, une fois qu'on a participé au projet, on a intégré les aspects anti-BEPAD dans notre visite. Vérifier que les affiches étaient dans la salle de soins des infirmières, que l'établissement avait engagé les actions, et voilà, on l'intégrait vraiment à notre rapport de visite. Et c'est tout, hein, enfin, ça consiste en ça, c'est un item de plus à vérifier parmi la gestion des excrétas, parmi le local déchets, etc. C'est quelques questions à poser à quelques intervenants clés au sein de l'établissement. Et en soi, ça fait le boulot, hein, ça met une piqûre de rappel. Et finalement, du coup, ensuite, on renvoie directement vers les interlocuteurs que sont l'EMA. Parce que l'EMA, enfin, très clairement, hein, notre EMA dans le 49 n'a pas les moyens d'aller se déplacer dans l'ensemble des établissements qui sont inscrits au projet. C'est pas possible, pas en l'état actuel. Et enfin, donc, à travers ce projet, évidemment, on évaluera un petit peu ce qui se passe à travers des indicateurs qui ont été réfléchis en amont avec notre partenaire qui est la DRSM, l'assurance maladie, qui va nous permettre de colliger les données sur les nombres de CBO réalisés, les consommations d'antibiotiques. On n'a pas pour l'instant vraiment établi d'objectifs précis, mais bon, ça va être pour l'instant une stratégie un peu descriptive. Là, on manque un peu de recul pour présenter des premières données. On est à peine à un an, mais ça va être suivi. Et c'est vrai que là aussi, on a bénéficié vraiment de l'expertise du CEPIAS pour la construction de ces indicateurs qui nous a accompagnés. C'est vrai qu'en tant que clinicien infectiologue, on n'a pas forcément toujours une grande compétence ni appétence sur ces sujets. Donc, ça a été très intéressant de pouvoir co-construire avec eux et l'assurance maladie. Donc voilà, juste pour schématiser un petit peu les étapes de ce projet. Alors, pour être tout à fait transparent, ce projet anti-BEPAD au départ, on l'avait construit à l'époque de Medcal, enfin de cette association qui avait des missions de bon usage au niveau Pays de Loire, avant que le CRATB ne se crée. Donc je pense qu'on a manqué un petit peu
comment dire, d'impliquer au départ, par méconnaissance des acteurs sur l'hygiène, le CEPIAS et les EMH. Et là, c'est vrai que le fait de se formaliser en tant que CRATB, les liens se créent beaucoup plus facilement et naturellement, et on rattrape un petit peu ce qui a manqué au début. Et pour cet aspect étape 3, animation et pérennité du programme, c'est vraiment très intéressant d'avoir leur appui. Du coup, pour conclure sur cette petite expérience que nous, on a pu avoir dans le Maine-et-Loire, c'est qu'on voit que effectivement la formalisation de ces EMA est encore relativement récente, donc il y a peut-être là vraiment des choses à construire aussi en termes de lien avec les EMH, une place à trouver pour aussi ces équipes-là, alors qu'ils sont déjà quand même très mobilisés sur le sanitaire, hein, généralement sur l'établissement support, les établissements du GHT, la hotline est déjà saturée par ces appels-là, où finalement ça va être ça, hein, aussi la ligne d'avis avec les infections les plus aiguës. Mais il y a tout un aspect stratégique, projet, sur lesquels ils peuvent aller vers l'EHPAD, vers le médico-social, et là, il faut effectivement qu'on puisse leur apporter tout le support qu'on est capable d'offrir par le biais de notre réseau, de nos connaissances des interlocuteurs et notre connaissance aussi du fonctionnement de ces établissements. On a bien vu que c'est quand même particulier, il ne faut pas dupliquer l'hôpital sur le médico-social. Donc ça peut être partir soit de projets concrets comme ça, qui peuvent être co-construits et qui finalement vont trouver après une animation commune, une déclinaison commune. Ça peut être sur des situations aiguës, hein, vous voyez bien, en cas d'épidémie, pouvoir intégrer le MA sur dire, le médecin Coué est parti sur telle utilisation des antiviraux, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous ne voulez pas l'appeler, etc. Donc voilà, on a trouvé, nous, effectivement, des bénéfices des deux côtés. C'est vrai que pour notre équipe mobile antibio, ça a été de permettre de se faire un petit peu plus connaître, de diffuser leur numéro auprès de ce secteur-là. Finalement, il y a aussi beaucoup de prescriptions antibiotiques et pas toujours à bon escient. Donc effectivement, ils commencent à être beaucoup plus connus du secteur médico-social. Ils ont pu bénéficier un petit peu de notre soutien, comme l'a souligné Hélène, sur tout ce qui est l'aspect indicateur, suivi de projet, où effectivement on a peut-être un peu plus cette appétence pour certains tableurs Excel et le suivi des consommations ou de ce qu'on veut. Et c'est vrai que pour nous, les équipes mobiles d'hygiène, ça nous a fait un soutien supplémentaire sur les questions bon usage, parce que ça nous arrive d'en avoir aussi. Hein. C'est vrai que parfois, on est sollicité sur des questions qui vont être un petit peu à la limite de notre champ de compétences. Donc effectivement, rebasculer sur l'EMA, là, c'était intéressant de pouvoir avoir leur appui aussi sur la gestion de certaines de nos épidémies. Et puis sur la promotion de la vaccination, vraiment, c'est des interlocuteurs précieux. C'est vrai qu'avoir le message de l'infectiologue dans la description de la vaccination, dans un certain historique, dans toutes les activités qu'ils peuvent mener, et puis rien que dans la description des situations très concrètes qu'ils observent dans leur activité quotidienne, on a vraiment le sentiment qu'ils portent des messages qui ont un impact peut-être supplémentaire par rapport aux nôtres d'hygiénistes. Donc là, il y a effectivement des partenariats à construire aussi sur ces aspects de la prévention. Et on vous remercie. On va peut-être passer directement à la vision perspective du ministère de la Santé, puis on fera des questions après pour les deux versants. Restez pas trop loin tous les deux. Bonjour, donc je me présente, je suis le docteur Christine Godin-Benaïm, basée à la DGS, mais je travaille à la mission ministérielle de prévention des infections et de l'antibiorésistance, qui est une mission en fait transversale. Même si on est basé fonctionnellement à la DGS, on est transversal sur les différentes directions du ministère. Et donc ce que je voulais aussi vous dire, c'est que j'ai une affinité particulière pour les EMH, étant donné que dans mon parcours professionnel, j'ai eu l'occasion de participer en Auvergne-Rhône-Alpes, quand j'y étais à l'époque,
au dispositif, à la mise en place du dispositif EMH en Rhône-Alpes, qui après s'est étendu donc en Auvergne. Du coup, je vais passer assez vite parce que je me suis rendu compte que beaucoup de choses ont déjà été dites, donc je ne vais pas les redire à nouveau. Comme vous le savez, bon, évidemment, il y a l'instruction du 15 mai 2020 qui était donc relative à la mise en œuvre de la prévention de l'antibiorésistance dans les régions sous la responsabilité des ARS, avec son annexe, donc le guide réflexe sur les différentes propositions qu'on a recommandées justement sur cette organisation. Alors, il y a le schéma qui est dans ce guide réflexe, qui a déjà été présenté. Et comme vous voyez, donc, c'est bien indiqué que les équipes multidisciplinaires en antibiothérapie interviennent donc dans les trois secteurs de soins, puisque ce soit en ville, en établissement de santé et en ESMS. Et donc, comme vous le voyez, effectivement, c'est donc au niveau territorial, en synergie donc, avec les équipes mobiles d'hygiène. Bien entendu, vous connaissez maintenant la stratégie nationale hein, qui a été annoncée en février 2022. Donc, je vais passer très vite dessus puisque le docteur Chantal Hérault vous l'a présenté ce matin avec les différentes actions concernant justement le secteur médico-social. Alors, je ne vais pas redire le rôle et les missions principales des EMH parce que je pense que vous les connaissez encore même mieux que moi. Donc, ça, c'est ce que je vous ai montré, c'est suite aux recommandations, enfin aux réponses de la Société française d'hygiène hospitalière suite à la saisine que nous avions faite. Hein. Et donc, voilà, les différentes missions, comme vous les connaissez très bien, en prévention des infections, la formation, bien sûr, la surveillance et l'évaluation. Alors, au niveau des missions principales des équipes multidisciplinaires en antibiothérapie, comme je l'ai déjà dit, elles ont vocation à intervenir dans les trois secteurs de l'offre de soins. Et donc, ce qui est important, c'est qu'il y a une activité stratégique locale de bon usage des antibiotiques. On avait un peu dit plus ou moins un tiers de leur temps. Et notamment, donc, d'établir et coordonner la mise en place d'un plan annuel de la stratégie de bon usage des antibiotiques, notamment pour les EHPAD du territoire couvert par l'EMA. Et évidemment, la même chose aussi au niveau donc, de la médecine de ville du territoire couvert par l'EMA. Mais aussi, bien entendu, ils ont une action très importante au niveau de l'établissement support, mais aussi de l'ensemble des établissements du territoire de santé du groupe hospitalier de territoire, et aussi présenter les plans d'action et les bilans annuels à la commission médicale de l'établissement support. Il y a aussi un bilan d'activité annuel des actions réalisées et participer aux autres activités de promotion du bon usage des antibiotiques au niveau régional sous la coordination du CRATB. Mais bien sûr, il y a aussi l'activité clinique. D'ailleurs, ça a bien été présenté par le docteur Cormier des Pays de Loire précédemment avec donc, cette activité clinique de conseil et consultation en antibiothérapie. De répondre aux heures ouvrées, aux demandes de conseils, consultations qui sont formulées, que ce soit par les cliniciens d'établissements support, des autres établissements, et quand le référent, évidemment, en antibiothérapie n'a pas la capacité de répondre à cette demande, les établissements médico-sociaux et les professionnels de santé de ville du GHT. Alors, la constitution de l'EMA, ben, comme ça a été dit précédemment, on avait proposé à minima donc, un infectiologue, un pharmacien, un microbiologiste et un infirmier et infirmière qui auraient été formés au bon usage des antibiotiques. Et on avait évalué à peu près au moins une EMA par GHT. Évidemment, c'est des recommandations qui s'adaptent aux spécificités de chaque région. Hein. Et certains GHT de plus grande taille peuvent être couverts par l'action de plusieurs EMA. Donc, ce qui était proposé, c'est vraiment une synergie d'action entre les EMH et les EMA, comme cela a été d'ailleurs présenté précédemment. Et c'est d'ailleurs une des actions de la stratégie nationale, hein, renforcer la synergie entre les actions de
prévention et contrôle de l'infection et des actions de bon usage des antibiotiques à tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau régional entre CEPIAS et RATB, et évidemment au niveau des EMA et des EMH et OH. Donc ça, c'était vraiment un point important de cette stratégie. Et d'ailleurs, on a bien vu que dans les résultats, j'ai vu précédemment, dans les résultats de l'équipe de l'enquête, pardon, de l'enquête de Ginger, qu'il y avait effectivement, comme l'a dit Nathalie, un manque d'imprégnation des EHPAD par rapport à l'infectiologie. Et donc là, les EMA participent aux actions du bon usage des antibiotiques en interagissant avec les équipes mobiles d'hygiène qui interviennent dans les EHPAD, ainsi qu'avec les médecins, les infirmiers, coordonnateurs de ces établissements. On voit bien que finalement, les EMA ont beaucoup à apprendre des EMH qui sont là depuis longtemps. Donc les EMH peuvent vraiment apporter un appui lorsque les EMA se mettent en place. On a donc pour la, en 2022, c'est la première année où on a pu avoir ce financement pour les EMA. Et en même temps, les EMA portent leur expertise sur le bon usage des antibiotiques à la demande des EMH, des EHPAD, quand justement il y a ce problème de prescription d'antibiothérapie. Alors là, c'est des exemples, mais je pense qu'en fait, ça a déjà été dit. Bien entendu, dans la prévention des infections, il y a la promotion des bonnes pratiques dans le cadre du bon usage des antibiotiques. Donc, évidemment, c'est en même temps que en synergie avec la promotion des bonnes pratiques en prévention des infections. Ça peut être justement dans le cadre de protocoles de bonnes pratiques. La formation avec de la conception à la réalisation des actions de formation continue dans le domaine du bon usage des antibiotiques en même temps ou en synergie lorsque les EMH organisent des formations sur la gestion du risque infectieux pour les professionnels de santé. Et puis, bien entendu, il y a aussi la surveillance avec l'aide à la mise en œuvre d'une surveillance épidémiologique sur le bon usage des antibiotiques et aussi dans l'alerte, parce qu'on a bien vu, effectivement, dans l'alerte que les EMA peuvent apporter vraiment un appui dans la gestion d'épidémies, surtout lorsqu'il y a des épidémies dues à des BMR, BHR. Donc là, c'est vrai qu'elle peut apporter un appui sur le traitement par antibiothérapie. Et voilà, donc j'étais assez rapide pour essayer de rattraper le temps. Merci. Merci Christine d'avoir été aussi rapide. Alors, la théorie, et puis on a vu avant la pratique, avec des choses beaucoup plus précises dans les articulations, qui me plaisait bien, moi, parce que voilà, la complémentarité, je crois qu'elle va aller plus dans la finesse que ce que nous disent les textes ministériels, tant mieux. Je me parle en marchant. Question là-bas. Merci. Je suis IMH en Ile-de-France. J'avais une petite question sur le calendrier. Est-ce qu'on a une petite idée sur la mise en place, comment ça se passe, alors peut-être pas région par région, mais d'une façon générale sur le calendrier, parce qu'en tant que IMH, on est vachement intéressé par ça. Merci. Christine, tu veux retourner, tu as une idée du calendrier? Il faut que tu remontes là-haut, toi. Non, je te donne, je te redescends. C'était par rapport au calendrier de mise en place des EMA et des EMH, mais si vous avez le calendrier, à mon avis, vous allez intéresser beaucoup de gens, ce que je ne crois pas. Alors, pour les EMA, le calendrier, donc en fait, donc il y avait l'instruction, vous savez, de 2020, mais bon, c'est arrivé en 2020, donc forcément, c'est la période qui était un peu critique au niveau, à ce moment-là, comme tout le monde le sait. Et donc c'est pour ça qu'on a réussi à avoir un financement en fait en 2022 pour la mise en place des EMA, en sachant que c'est un financement progressif. Donc on a eu un début de financement et donc chaque année on essaie d'augmenter le montant de ce financement. C'est un FIR qui est donc sur un financement FIR.
J'espère avoir répondu à votre question. D'autres questions ? Juste pour compléter, effectivement, les EMA et les EMH n'ont pas tout à fait le même niveau d'existence. On a vu que les EMH, dans certaines régions, sont plutôt anciennes. On pense à Auvergne-Rhône-Alpes. D'autres régions, c'est beaucoup plus récent. Alors que les EMA, elles sont toutes récentes. Donc après, effectivement, c'est comment associer la co-construction EMA-EMH dans des régions où leur existence n'ont pas été tout à fait la même. Mais en Pays de Loire comme en Grand Est, Florence pourrait faire le même témoignage, on essaye de co-construire, et je pense que quand on a cette opportunité, il faut le faire, de co-construire EMA-EMH. Ça ne veut pas dire que là où il y a des EMH depuis longtemps, bah, c'est pas bien. Non, si, c'est bien aussi, mais au moins profiter de cette co-construction. Alors peut-être que la question qu'il faut qu'on se pose, c'est là où il y a des EMH qui sont installés depuis longtemps, comment on co-construit maintenant avec les EMA? Je ne sais pas. Il y a Anne, tu es là, Anne Savé? Elle est partie, Anne. Ou quelqu'un qui a une région avec des EMH existant depuis longtemps, comment ils vont construire et accompagner les EMA? Je peux déjà parler pour Auvergne-Rhône-Alpes, forcément, puisque j'y étais. Et en fait, il y a aussi en Auvergne-Rhône-Alpes, puis on a essayé de mettre en place à l'époque les équipes mobiles d'infectiologie qui étaient déjà depuis à peu près avant 2017 par là. Donc c'est vrai qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, ils ne sont pas partis de rien. Quoi. Il y avait les équipes mobiles d'infectiologie qui sont mises en place, évidemment après le dispositif EMH, et simplement, ils se connaissent et ils essaient de construire maintenant ensemble. C'est vrai qu'il y a cette antériorité qui peut être utile au départ, mais ça n'empêche pas que, de toute façon, quelle que soit la région, parce qu'en ce moment, avec le professeur Céline Puccini, on fait le tour des régions, de toutes les régions, évidemment, sauf en Outre-mer et en Corse, parce qu'on ne peut pas y aller en train, donc c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Du coup, c'est en visio. Et on se rend compte effectivement que le fait de mettre que vraiment il y a une dynamique sur la mise en place des EMA cette année, et que on voit bien que les EMA il y a vraiment une aide, une synergie avec les EMH en miroir entre la synergie entre le CERATB aussi qui se met en place avec les CEPIAS. Donc c'est vraiment, on voit cette dynamique au fur et à mesure qu'on visite les régions. D'ailleurs, vous avez noté, la stratégie nationale, c'est 2022-2025. Faisons de la science-fiction, et quid après 2025? On fusionne les CEPIAS, les CERATB, on fusionne les EMA, les EMH. On verra. Qui vivra, verra. De toute façon, ce n'est pas très important aujourd'hui. Ouais, bonjour à tous. Je suis Hélène Benoît, je suis infirmière hygiéniste à l'équipe mobile d'hygiène des territoires du CHU de Dijon depuis 2015. Et j'ai une question par rapport à quel parcours de formation pour être infirmière formée au bon usage des antibiotiques. J'ai peut-être des collègues grennais dans la salle, mais à Rennes, en tout cas, moi, pour l'ouest de la France dans lequel je travaille, il y a un DU de thérapeutique anti-infectieuse pour le personnel paramédical. Alors, je me suis renseignée pour mes équipes. Je crois que la prochaine session, c'est en 2024. Il n'a pas lieu tous les ans. C'est un petit peu la limite. Là, quand on veut enrichir rapidement nos équipes EMA, on n'a pas accès à ce DU de façon immédiate. C'est un facteur limitant, quand même. Un seul DU, pas ouvert tout le temps. Il va falloir se bouger. Hein. Donc on va passer à la prochaine communication. Madame Julie Racot, et c'est la dernière, qui va nous parler d'une plateforme informatique pour la gestion du risque infectieux dans les EHPAD. Merci. Comme l'éclair. On va t'appeler Buzz. Buzz Christine. Bonjour.
Bonjour à tous et à toutes. J'ai la lourde tâche de finir cette première journée, donc je vais essayer d'être assez rapide. Donc, je suis Julie Racco, je suis pharmacien hygiéniste et j'ai une activité à la fois dans une équipe d'hygiène au sein des hôpitaux du Pays du Mont-Blanc et à la fois dans le cadre de l'équipe mobile d'hygiène Léman Mont-Blanc. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la plateforme informatique que nous avons mis en place au début de la création de notre EMH pour la gestion du risque infectieux. Donc je suivrai le plan suivant. Tout d'abord, quel est le territoire de notre EMH pour comprendre un peu l'historique de la création de cette plateforme. Il faut comprendre le territoire de notre équipe mobile d'hygiène qui a été créée en 2015 et qui s'étend sur tout le territoire de la Haute-Savoie Nord. Là, vous pouvez voir, et encore, je m'en excuse, la carte n'est pas à jour parce qu'il manque certains établissements, donc qui recouvrent ce territoire autour des trois centres hospitaliers du GHT Léman Mont-Blanc. Donc au total, cela représente 35 établissements. Donc ce sont des établissements. Nous, on fait partie d'une ancienne EMH qui, à l'époque, n'intégrait pas encore les secteurs du handicap. Mais bon, on espère que ça va venir prochainement. Avec le Covid, on a pu récupérer quelques établissements, mais bon, pour en récupérer un peu plus, il faudrait augmenter nos effectifs. En tout cas, en ce qui s'agit des effectifs, il y a un ETP de PH qui correspond à deux praticiens et 2,8 ETP d'infirmières hygiénistes. Donc, pourquoi la mise en place d'une plateforme informatique pour pouvoir répondre à pas mal d'objectifs qu'on s'était posés suite à la création de notre EMH. Tout d'abord, c'est pour optimiser nos moyens et nos déplacements. On est dans une région où les différentes structures sont assez éloignées les unes des autres. On a des contraintes de territoire de routes de montagne qui peuvent ralentir les déplacements, de conditions météo, notamment avec la neige en hiver. Donc l'objectif, c'était d'optimiser les ressources humaines et nos déplacements, d'avoir une information assez rapide, notamment pour les alertes en cas d'épidémie, d'apporter à ces structures une réponse rapide, en particulier le soir et le week-end. Vous savez qu'on n'a pas de permanence pendant ces horaires-là. Aussi d'apporter une base documentaire, parce qu'on voit bien que dans différents établissements, les protocoles, c'est pas toujours ça. Apporter une source d'information et de formation. Alors c'est vrai que j'ai pu entendre, notamment cet après-midi, qu'on est des équipes mobiles d'hygiène, qu'il ne faut pas enlever cette mobilité. Donc cette plateforme ne vient pas se substituer à nos déplacements sur l'établissement, mais vient bien entendu en complément. Et pareil, tout ce qui est documents, informations, formation aussi vient en complément à tous les supports qui existent, notamment les supports proposés par les différents CEPIAS. Donc comment cette plateforme informatique s'est déployée? Il a fallu trouver de l'argent pour la financer. Et suite à l'appel à projet de l'ARS pour créer l'EMH Léman Mont-Blanc, il y avait un temps, un 0,5 ETP de PH qui n'arrivait pas à être pourvu. Donc on a pu négocier avec l'ARS pour profiter de cet argent non pourvu pour pouvoir développer ce projet de plateforme avec tous les objectifs que je vous ai cités. Donc une fois l'accord de l'ARS en 2015, donc il y a eu deux étapes, une phase de projet et une phase de déploiement. La phase de projet, avec le choix du logiciel, quel support on allait utiliser pour créer cette plateforme. Une fois le logiciel choisi, une phase de déploiement avec là, accompagné d'un informaticien, la conception à proprement dit, la structuration, les différentes fonctionnalités de cette plateforme. Puis ensuite, là vous le voyez, en décembre 2016, il y a eu la formation pratique des utilisateurs, dans un premier temps des directeurs, des médecins coordinateurs, des IDEC, des cadres, et ensuite à partir de janvier 2017, un déploiement vraiment sur le terrain avec une formation des autres professionnels concernés par cette plateforme.
Donc là, vous voyez, donc ça c'est l'écran d'accueil de notre plateforme. Donc on voulait vraiment que ce soit un moyen, vraiment un accès facile, comme je le mets sur cette diapositive. Il suffit d'une connexion Internet, hein, on se connecte là avec le lien qui est marqué sur la diapositive. On peut se connecter de n'importe quel support, hein, d'un ordinateur, d'une tablette, d'un smartphone. Il suffit d'un identifiant et d'un mot de passe. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on voulait, un accès facilité. Donc voilà la première version de la plateforme. Hein, une fois qu'on a rentré nos codes, on atterrit sur cet écran d'accueil, hein, donc on voulait aussi que ce soit quelque chose d'assez facile, d'assez instinctif, hein, voilà, avec des gros logos, des couleurs qui flashent, accessibles. Donc là, c'est la nouvelle version 2022. Donc comme c'est un outil informatique, c'est un outil qui peut évoluer. Donc voilà, on peut faire un petit peu ce que l'on veut dans la limite de nos capacités en tant qu'hygiéniste. Hein, on n'est pas informaticien, donc voilà, on modèle cette plateforme comme on peut. Donc là, je vais rentrer un peu plus dans le détail de ces différentes fonctionnalités. Je vais m'arrêter un peu plus sur les deux principales fonctionnalités qui sont pour l'instant le plus utilisées, parce que vous verrez, hein, voilà, c'est vraiment un puits de fonctions, enfin de sources de fonctions, cette plateforme. Mais voilà, il faut promouvoir et il faut que les gens, notamment les professionnels des EHPAD s'en servent. Mais pour l'instant, il y a deux fonctionnalités qui arrivent en tête, c'est l'alerte à l'équipe mobile d'hygiène. Donc hein, je le répète, ça ne se substitue pas au travail de terrain de l'équipe mobile d'hygiène, mais on a une fonction, donc quand ils se connectent, quand ils sont confrontés à une situation classique épidémique, de cas de d'IRA ou de gastro, eh ben, ils peuvent nous prévenir, au lieu de nous appeler par téléphone, ils peuvent nous prévenir via la plateforme. Donc pour ça, ils se connectent, ils cliquent sur le bouton alerte EMH. Donc là, j'ai cité, hein, alors ça, ce qui est bien avec cette plateforme, c'est nous qui avons décidé dans quelle situation les établissements peuvent nous prévenir via cette alerte. Donc comme je l'ai dit, une situation épidémique, on a mis aussi s'il y a un problème avec la surveillance environnementale, des problèmes dans l'eau, s'il y a une suspicion d'une infection associée aux soins, s'il y a un isolement d'un germe inhabituel, une BHRE par exemple, une maladie à déclaration obligatoire, un décès qui peut être lié aux soins. Donc voilà, ça c'est les exemples de situations que l'on a mis en place. Donc une fois que l'établissement a cliqué sur cette alerte, il arrive sur cette page et là il stipule dans quelle situation il se trouve. Donc là, on a l'exemple, il se trouve dans une situation épidémique, le type d'alerte. Là, sur la droite, situation épidémique est coché un cas groupé d'infection respiratoire. On a plus de 5 cas en 4 jours. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les premières mesures à mettre en place vont s'afficher. Voilà, ça c'est vraiment une aide pour les établissements, comme je disais, le soir ou le week-end, ils ont vraiment les premières mesures, donc c'est-à-dire quel type de PCH, à quoi ils doivent être vigilants, si on est dans le cas de gastro, faire attention au bio-nettoyage, à l'hygiène des mains, surveiller les autres résidents. Donc voilà, l'intérêt de cette alerte, c'est d'indiquer les premières mesures à mettre en place. En plus de ça, est envoyé un accusé de réception pour bien le rôle d'un accusé de réception, dire que l'EMH est bien au courant que vous avez fait une alerte. Dans ce mail est rappelé les mesures conservatoires, les mesures préventives et conservatoires à mettre en place. Et en même temps, toute l'équipe de l'EMH reçoit un mail en disant tel établissement a fait tel type d'alerte, et dans les plus brefs délais, on les contacte. Soit le jour même, si l'alerte s'est faite en journée, soit dès le lundi matin, si l'alerte s'est faite le week-end. À partir de là, donc, de cette alerte, on peut avoir... donc là, sur ce tableau est représenté toutes les alertes qui sont en cours. Donc ça, c'est la partie que nous voyons équipe mobile d'hygiène. Donc là, vous voyez, dans l'état en orange, en cours, clôturé. Donc c'est vrai qu'on peut faire ce qu'on veut de ces alertes. Une fois que l'alerte est finie, on la classe en clôturé. Quand elle est en cours, on peut ouvrir un journal de bord. On crée un journal de bord où chaque jour, on indique les actions que l'on a menées. Et voilà, ça nous permet d'avoir des indicateurs sur les alertes qui ont été déclenchées par les différents EHPAD.
Donc voilà la principale fonction de cette plateforme. L'autre principale fonction, c'est la base documentaire. On voulait rassembler dans cette plateforme un ensemble de documents, de protocoles utiles pour les EHPAD. Donc il faut savoir que tous ces documents ont été soit faits par nous, soit relus. Donc il y a une validation de l'EMH. Ce ne sont pas les documents que chaque établissement met dans cette EHPAD. C'est vraiment des documents que nous avons soit créés, soit relus. On leur laisse la possibilité d'apposer leur logo s'ils le veulent. Donc voilà, c'est une bibliothèque partagée. Donc il y a plusieurs moyens d'accéder à cette base documentaire. Donc vous voyez en haut, dans l'onglet bleu, voilà, base documentaire. Sinon, on peut aller dans les différents logos de couleurs. Donc là, je vous ai mis des exemples, par exemple, pour le soin. Donc on peut cliquer là sur le logo soin, on atterrit là sur différents items, les précautions standards, les soins infirmiers, soins de nursing, et quand on clique sur ces barres en bleu, on atterrit sur les protocoles correspondants. Pareil, si on cherche des documents épidémie, on clique sur l'épidémie. Donc là, on a classé en IRA, COVID, GEA. On a même un guide des gestions des épidémies. Donc c'est un guide un peu plus gros, donc c'est moins pratique pour chercher. Donc c'est pour ça qu'on essaye de simplifier le plus possible la recherche de documents. On a aussi directement sur la page d'accueil, en dessous de l'alerte EMH, un index des pathologies. Donc ça, je sais que souvent les établissements en ont un en fonction du type de germe. Quelles sont les précautions à mettre en place. C'est vrai que c'est un document qui est assez utile et qui est vraiment visible dès l'écran d'accueil. On peut mettre dans cette base documentaire plein d'autres documents. Donc voilà, ça c'est un exemple de tout ce qu'on peut faire. On peut mettre le bilan des indicateurs, le DARI. Je vous ai indiqué que pour l'instant on n'avait pas de secteur de handicap. Et voilà, on peut rajouter un logo secteur du handicap. On peut aussi créer une partie des documents accessibles uniquement par les EHPAD, visibles uniquement par l'EMH. Donc c'est vrai qu'on a quand même pas mal de marge de manœuvre avec cette plateforme sur la visibilité des documents qui sont à l'intérieur. Les autres fonctionnalités, donc là je vais aller plus rapidement, il y a une fonctionnalité d'information, on peut mettre des messages d'information, donc dès l'écran d'accueil qui s'affiche, ce qu'on a fait lors du Covid, où on a rappelé qu'est-ce que était le vaccin, quand devaient se faire les doses de rappel. Là, il va y avoir les épidémies hivernales qui vont arriver. Donc, on aime bien remettre des messages d'information. Voilà, attention, faites attention aux épidémies, respectez bien, mettez bien en place les mesures adéquates. On peut faire aussi des e-learning, des formations en ligne. Alors ça, on en a pour l'instant fait qu'un sur les précautions standards, info ou intox. On peut aussi faire des enquêtes en ligne. Donc, pour les débuts de la plateforme, on avait fait une enquête sur la plateforme et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette plateforme. Et ce qui est intéressant, là, en période Covid, on l'a beaucoup utilisé, c'est la fonction de visioconférence. Pardon. Et c'est vrai que cette plateforme offre la possibilité de faire des visioconférences. Pas à 40 personnes, bien sûr, mais à 5 ou 6 personnes, on peut faire quand même des visioconférences de qualité. Donc voilà pour les fonctionnalités de cette plateforme. Suite à sa mise en place, on a eu la chance qu'une infirmière réalise son mémoire de DU sur cette plateforme pour savoir si elle correspondait bien aux attentes de l'EMH, mais aussi des EHPAD. Donc je vais juste vous présenter ces deux résultats sous forme de radar. L'enquête s'est déroulée, on a mesuré le degré de satisfaction des utilisateurs par une échelle numérique de 1, de 0 à 10. 0, on n'était pas satisfait. 10, on était très satisfait. Et vous pouvez voir sur le diagramme de gauche la satisfaction générale avec une satisfaction globale satisfaisante, avec une moindre satisfaction quant à la fréquence d'utilisation. J'y reviendrai à la diapositive suivante pour expliquer le pourquoi du comment. Sur le diagramme de droite, le degré de satisfaction des différentes
fonctionnalités que je vous ai énumérées là précédemment, donc qu'il s'agit de l'alerte, de la base documentaire, de la formation, enquête, les informations. Donc vous voyez qu'il y a une satisfaction globale qui est très, très satisfaisante, qui dépasse voilà, les 8 sur 10. Donc quels sont les avantages, les axes d'amélioration et bien sûr les perspectives de cette plateforme? Ben, les avantages, je pense que cette plateforme répond vraiment aux besoins pressentis à la fois par l'EMH et pour les EHPAD, notamment avec cette fonctionnalité d'alerte EMH et cette base documentaire. Hein, ce sont vraiment les deux fonctions qui fonctionnent très bien par cette plateforme. Une facilité d'accès et d'utilisation, hein, comme je vous l'ai dit, cette plateforme est accessible de n'importe quel appareil, tablette, smartphone, ordinateur, du moment qu'il y a une connexion Internet. C'est un outil informatif évolutif. Hein. Vous avez vu, je vous ai présenté la version 2017, la version 2022. On peut faire évoluer cette plateforme comme voilà, en fonction de nos idées ou des besoins. Par contre, les limites et les axes d'amélioration, c'est qu'il y a un turnover important. Hein. Ça, je ne vous apprends rien du personnel dans les EHPAD, donc c'est vrai qu'il y a vraiment une sensibilisation pour les inciter à utiliser cette plateforme, parce que c'est vrai que voilà, ça dépend vraiment des fonctions, mais c'est vrai que voilà, c'est pas inné d'aller sur un ordinateur, de rechercher. On est quand même très ancré sur aller rechercher dans le classeur le protocole qui sont pas forcément à jour. L'intérêt avec cette plateforme, c'est que les documents, voilà, il n'y a pas 15 versions du même document. Ce qui est présent, c'est la dernière version du document. Une des limites, c'est pour voilà, l'explication, vous vous souvenez là, du mauvais résultat dans le diagramme en radar sur l'accès à la plateforme, c'est que certaines professions nous font remonter qu'elles ont un accès difficile à un poste informatique. Alors c'est vrai, voilà, les directeurs, les médecins co, les cadres IDEC ont un ordinateur. Par contre, pour certaines autres fonctions, comme les ASH ou les AS, pardon, c'est vrai que parfois c'est difficile d'accéder à un poste informatique, donc ce qui peut être un frein à l'utilisation de cette plateforme. Un autre frein, c'est pour faire évoluer cette plateforme. Donc je vous ai dit que c'était une plateforme qui pouvait évoluer. C'est le temps informaticien que nous n'avons plus. Nous l'avons au début avec le financement qui nous avait été accordé. Mais depuis, on n'a plus de temps informaticien. Et c'est vrai que pour faire évoluer certaines fonctions, la présence d'un informaticien serait plus que nécessaire. Donc là, on essaye de faire avec voilà, ce qu'on sait faire et puis l'aide des informaticiens que nous avons sur nos propres établissements. En ce qui concerne les perspectives, donc on a une perspective de faire évoluer la fonction alerte. Alors je vous ai énuméré voilà, les différentes situations. Là, on est en train de revoir pour un peu rendre ces situations un peu plus exhaustives, que ce soit un peu plus simple de remplir, parce que là, je vous ai présenté qu'une partie de l'alerte, elle est un peu plus longue, donc de réduire cette déclaration et de mettre en place un échange sur cette plateforme. Parce que là, une fois que l'établissement remplit l'alerte, il n'y a plus d'échange. Ce qu'on aimerait, c'est un espèce de chat où l'établissement nous dit ce jour, nous avons tant de résidents malades et que nous puissions répondre, voilà, faire un espèce de chat. Donc là, on est en cours pour faire évoluer cette fonction. Comme je vous disais, il y a pas mal de turnover, il y a eu la crise Covid, donc il faut de nouveau faire la promotion de la plateforme. Il y a eu aussi du turnover dans notre équipe de l'EMH. Donc ça aussi, c'est en projet. Faut pas oublier, et on l'oublie pas, de développer la fonction de formation par e-learning. Hein. Ça, c'est important. Je pense que ça peut vraiment être complémentaire sur la formation sur le terrain. Comme c'est informatique, cette plateforme retient les données. Donc, on travaille sur la mise en place d'indicateurs. Donc ça, les indicateurs, c'est important pour valoriser notre travail et montrer les résultats à nos directions et aussi aux directeurs des EHPAD pour montrer le travail qui est fait. Et puis, l'un des derniers objectifs, pardon, ce serait d'étendre cette plateforme aux établissements du secteur du handicap. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
des questions sur cette expérience passionnante? Merci, c'était... Bon, ben moi j'ai envie d'avoir la plateforme. Mais par contre, combien ça coûte tout ça? Voilà. Alors, comme je vous le disais, moi je suis arrivée en plus après, une année après la mise en place de la plateforme. Donc c'est vrai qu'on avait eu, comme je vous disais, le financement avec ce poste qui n'avait pas été pourvu de 0,5 ETP de PH. Mais concrètement, vous dire, il faudrait... Il faudrait revenir vers nous pour que je vous en dise un peu plus sur les chiffres que j'ai oubliés, à savoir que le CEPIAS Occitanie a mis en place la plateforme. Ils se sont rapprochés de nous pour utiliser notre modèle. Donc nous, on est tout à fait prêts à partager. Hein. Il n'y a pas de souci sur le travail fait. En fait, ils ont juste repris. Alors, je me permets de revenir en fait sur le visuel d'accueil. Et après, ils l'ont incrémenté avec leur propre documents. Et il y a aussi une autre OMH, mais je ne me souviens plus, parce que finalement, on n'est pas au courant de tout. C'est le support du logiciel qui, eux, sont propriétaires et qui ont fourni le modèle. Mais voilà, si vous êtes intéressé, il ne faut pas hésiter à nous contacter. J'ai Cécile Mourlan qui me dit « Une excellente plateforme qui a servi de modèle à la création de la plateforme régionale regroupant le CEPIAS, les EMH Occitanie et leur EHPAD. Merci encore à l'EMH Léman Montblanc pour nous avoir partagé leur expérience. » Oui. T'as pas le choix. Faut que tu partages maintenant. Faut que tu partages. Juste pour compléter, Julie, merci pour ta présentation, c'est moi. Nous, on a aussi, il y a aussi Aurélie qui est à Montélimar qui a mis en place la plateforme. Oui, c'est ça, oui. Nous, à Valence, on est en train de la mettre en place. On en a à peu près pour 10 000 euros. Et également, on est arrivé à le faire financer sans rien demander à notre ARS préféré. Tout simplement parce qu'en fait, on était en train d'exploser le système d'information de l'hôpital en envoyant des mails multiples, puisque un mail pour 60 structures et 3 personnes avec des pièces jointes, vous imaginez pas ce que ça peut faire. Ils n'étaient pas du tout contents. Donc en fait, ils ont préféré nous financer la plateforme. Plutôt que surcharger le système d'information de l'hôpital. C'est bon à savoir. Non, mais j'ai pas dit que j'avais saboté le système informatique. Non, alors nous, les établissements adhérents ne payent pas. Et c'est vrai que pour le CEPIAS Occitanie, dans le même cas, c'est l'ARS qui finance. Donc les établissements non plus ne payent pas. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment... Pour commencer, c'est vrai que c'est un plus de ne pas demander aux établissements de financer. Oui. Puis on terminera ici après, ce sera la dernière. Alors, je voulais juste savoir, parce que c'est vrai que c'est super intéressant, au niveau logistique, alors on a bien compris que le problème du turnover, c'était un problème, donc vous n'avez pas forcément trouvé un truc pour la mise à jour qui soit efficace. Et je voulais savoir aussi, est-ce que vous pouvez vous rendre compte si tous vos établissements utilisent cette plateforme? Oui, parce que pour entrer dans la plateforme, il faut un code, un identifiant. Donc à partir, on peut avoir le résultat de toutes les personnes qui se sont connectées et de savoir quels établissements se sont connectés. On peut... Donc vous pouvez voir s'il y a un sous-usage, effectivement. Oui, voilà. Et on sait que c'est comme ça qu'on sait qu'il y a des établissements qui l'utilisent plus que d'autres. Les établissements privés l'utilisent moins parce qu'ils sont bloqués avec Internet et ils n'ont pas forcément accès à cette plateforme, mais voilà, c'est ça on le sait, ils sont bloqués là-dessus. Pour les autres établissements, on essaie, comme je disais, de promouvoir que chaque professionnel, que chaque grade puisse utiliser, parce que généralement ce sont plus les médecins co, les directeurs et les IDEC qui l'utilisent, et pas forcément les infirmières et les ASH. Oui, Hervé Blanchard, CEPIAS Île-de-France. Moi, j'ai une question relativement simple. L'hébergement de cette plateforme, elle se fait où? Parce que s'il faut l'héberger, excusez-moi, je vais dire une bêtise, à l'instance publique au plutôt de Paris, oui. Ça risque d'être un peu compliqué, alors qu'en réalité, c'est très développement durable, finalement, par rapport au flux et par rapport au risque aussi d'invasion, on va dire, de
rançonneurs, on dit. En tout cas, merci. Alors c'est vrai que nous, alors bon après moi je suis pas informaticienne, donc c'est vrai que c'est ces questions d'hébergement et tout, mais nous c'est hébergé à partir des trois hôpitaux du GHT. Alors je sais pas comment ça fonctionne en gros, mais je sais que voilà, on avait. Enfin, si l'Occitanie l'a adopté, c'est que c'est possible. Hein. Oui, c'est que c'est possible, oui. Mais voilà, c'est vrai que voilà, concrètement, ça je saurais pas dire. C'est pas l'éditeur du logiciel qui héberge ? Si, c'est Blue Kangoo, oui, qui l'héberge. D'accord, donc du coup, on sort de la problématique d'hébergement au sein des établissements de santé. Donc c'est vraiment une valeur ajoutée extrêmement importante, surtout que du coup, en termes de flux et les pièces jointes, c'est effectivement ce qui nous paralyse tous un petit peu. En tout cas, je crois que c'est vraiment un outil, une plateforme qui est très prometteuse, qui apporte satisfaction, et ce serait dommage de devoir ne pas l'utiliser et de démultiplier, de perdre, j'allais dire, du temps, de l'énergie et de l'argent à refaire ce qui a déjà été bien fait par certains. Et moi, j'attache beaucoup d'importance à... Alors, c'est peut-être parce que je suis un feignant, hein, tout simplement, mais à réutiliser les bons outils faits par d'autres. Exactement, et on était content que d'autres EMH l'utilisent, parce que c'est vrai que nous, il y a eu, j'allais pas dire une perte de vitesse, mais c'est vrai que voilà, dans l'euphorie de la mise en place, après, voilà, il y a eu peut-être une sous-utilisation, et que d'autres équipes la reprennent, c'était vraiment gratifiant. Quoi. Dernier témoignage, Laure, et après on conclut cette journée, parce qu'elle est... Voilà, nous, c'est le CEPIAS Occitanie qui a organisé en fait de façon très optimale des petites sessions. Donc c'est au moins une fois par mois, voire deux fois par mois, sur des temps très courts, donc de 40-45 minutes. Et ils font des tutos pour en fait les établissements, pour que chaque établissement s'approprie la plateforme et soit un petit peu quoi, génère des automatismes et puisse en fait en faire un outil réellement utile. Oui. Et c'est vrai que voilà, être adossé au CEPIAS qui nous permet cet accompagnement des établissements, j'avoue que nous, au niveau de l'équipe, on n'aurait pas le temps de dédier ce temps-là. Et le CEPIAS nous aide beaucoup dans cette coordination. Donc ça, c'est précieux de pouvoir... C'est sûr que c'est un plus, Merci Julie, merci à tous. On va conclure cette journée. En tout cas, moi, je tenais à remercier déjà tous les orateurs de cette journée, qui a été, je pense, longue, intéressante, passionnante, qui était une première journée. Alors, il y aura probablement une deuxième journée. Si vous le voulez, il faudra le dire, le crier, nous soutenir pour que l'année prochaine, on vous fasse une deuxième journée sous l'égide de Primo. Moi, je trouve que cette journée, elle a permis, en tout cas, de nous rencontrer, de rencontrer des équipes mobiles en hygiène, de rendre hommage à leur travail qui a été extrêmement utile, pour ne pas dire indispensable, pendant cette période Covid. Et on a vu, donc, à travers différentes expériences, que l'état d'avancement de nos régions était très différent. J'ai compris que l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes était une succursale du Père Noël. Moi, je n'avais pas vu ça sous cet angle, mais j'ai compris que maintenant, c'était une succursale du Père Noël. Et je comprends mieux pourquoi d'autres sont plus en difficulté, mais on va essayer, nous aussi, d'adhérer à la maison du Père Noël. Et donc, du coup, plus sérieusement, il va falloir effectivement que ces équipes mobiles en hygiène, qui sont en cours de construction dans certaines régions, et voire en co-construction avec des équipes mobiles d'antibiothérapie, enfin, équipes multidisciplinaires en antibiothérapie, eh bien, on puisse continuer à avancer ensemble. Et puis, ce qu'il faudra, c'est que l'année prochaine, on fasse d'autres retours d'expérience, peut-être sur ces co-constructions EMH-EMA, sur des retours d'expérience d'IDEC, peut-être un peu moins de docteurs, un petit peu plus d'infirmières. Ça paraît être une bonne idée. Et une dernière information, vous allez recevoir, pour des gens inscrits en présentiel, mais aussi en distanciel, vous allez recevoir une enquête de satisfaction. Vous pouvez vous déchaîner dessus. Et en tout cas, suggérer peut-être d'autres thématiques pour l'année prochaine. On peut déjà peut-être, sauf accident, se donner rendez-vous pour la deuxième journée nationale d'accompagnement des EHPAD par les équipes mobiles en hygiène. Merci à vous tous et à vous toutes.